Et bonsoir à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis très heureux de... Oula, attendez, j'ai... Hop, tac. Voilà, c'est mieux si je me trompe pas de scène. Bonsoir à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous êtes une cinquantaine dans le chat les amis, vous êtes en train de dormir. Je sais qu'on est dimanche soir, je sais que vous êtes déprimés parce que demain on reprend la semaine. Mais manifestez-vous que je puisse vous dire bonsoir les amis. Bonsoir Roro, bonsoir Reda, salut Guitar Maniac, salut David, bonsoir Slux. Bienvenue Eddy. Qui c'est qui était là au tout début là, qui faisait bonsoir Cédrigno, bonsoir Boulouga, salut Mook, voilà, coucou mon guignard, salut Maxime, ça y est, ça commence à se réveiller dans le chat un petit peu là, on se réveille les amis, on se réveille, comment allez-vous en ce dimanche soir, le dimanche 17 mars, est-ce que vous avez passé un bon week-end, est-ce que vous êtes prêt à reprendre la semaine, et salut Bobby, bienvenue. Bienvenue. Salut Roby, bienvenue à tous. Salut Goran, bienvenue. Et vous êtes endormis les amis, hein. Vous êtes nombreux devant le stream, mais vous êtes endormis. Semaine difficile, mais bon week-end reposant. J'espère que ça va. Bien toi, on est chaud, comment s'est passé pour ton père? Très bien, merci beaucoup Reda. Très bien. L'opération s'est bien passée, lui se remet bien. Bon, ça va prendre du temps. En fait, je me suis trompé, c'était pas une hernie discale, c'était une hernie linguinée, je crois. C'est l'hernie, mais devant, pas derrière. Donc voilà. Donc, j'ai eu le tracteur. Très bien, mon gif. Merci beaucoup pour ton RIS, 26e mois d'abonnement pour mon GIF, le GOAT, merci beaucoup. Ben moi ça va super, salut Roxy, ça va super, très content de vous retrouver. Après ben, 3-4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oui 4 jours de pause, hein. Mine de rien. Ça y est, hein, dès qu'il y a 4 jours sans stream, on est un petit peu dépeuplé. Donc très content. De vous retrouver. Bonsoir Britney, salut Britney. Eh oui, vous allez voir Britney. Coucou Jade, bienvenue. Salut Roro, salut Rodrigue. J'espère que ça va vous plaire. Hein. J'espère que ça va vous plaire parce que ce soir, effectivement, les amis, c'est le début, le lancement de la 3e saison de GTA RP. Qui sera donc différente des deux premières saisons, puisque les deux premières saisons c'était centré sur l'aventure de Jackson Mazur et donc du code 47. Et donc là maintenant ça va être Britney Gray. Alors pourquoi Britney, qui est-il que, ou qui est-elle peut-être, hein, vous allez découvrir ça dans quelques minutes. Je suis en train de voir un petit peu pour qu'on soit synchro avec l'ami Molcuis, savoir où il en est. Et puis voilà, mais en attendant tout ça, je vais vous exposer un petit peu le lore de cette saison 3. Super les artworks GTA. Ah merci Goran. Dans la semaine, je vous ferai les artworks de Red Dead. Vous allez voir, ils sont très cool. 3, G3, ben j'espère que vous allez kiffer. Avant toute chose les amis, vous le savez, c'est le petit rituel. On fait un petit point sur le planning de ce qui vous attend cette semaine. Demain, on attaque Outer Worlds. C'est un jeu indépendant. On m'en a tellement dit du bien. À chaque fois que je parle aux gens et qu'ils me parlent de Outer Worlds, tout le monde me dit ça. J'ai vu la vidéo de The Great Review et je me suis dit, il faut que je fasse ce jeu. Ce sera une découverte pour moi. On attaquera ça lundi. Mardi, on continue la famille Grey, qu'on va l'attaquer ce soir, l'épisode 2. Mercredi, on continue à Outer Wilds. Jeudi, on fait un jeu un petit peu rétro quand même, parce que c'est le début de la PS4. C'est un jeu que je surkiffe et qui est tellement sous-coté, c'est The Order 1886. C'est un peu une chasse de Jack l'Éventreur, etc. dans un Londres, vous allez voir, Londres à la fois du passé mais du futur. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Et je l'ai plus fait depuis sa sortie en 2014, ça fait 10 ans. Donc j'ai très hâte de le refaire en live et peut-être bien de vous le faire découvrir. Et vendredi, on enchaînera avec le 3e épisode de la famille Grey. The Order, si tu connais pas Jade, c'est vraiment un peu en mode dark, gothique, etc. Vous allez voir, enfin, je vous en dis pas trop. Il y a des monstres, etc. Je vous en dis pas trop, mais...
C'est une pépite. C'est une pépite, je l'ai platiné le jeu, etc. Voilà, j'ai trop kiffé. Ce soir, les amis. Ce soir. On lance l'aventure GTA RP avec la famille Grey. Donc c'est un projet que l'on prépare maintenant depuis depuis bien un mois. Je vais pas vous mentir. Puisque mine de rien, le code 47 ça s'est arrêté quand on va regarder ça, parce que je me rappelle déjà plus. Le code 47 s'est achevé il y a deux semaines. Ah bah c'est pas autant qu'on prépare alors. Le 29 février. Ah ouais. Ben en fait on a commencé à préparer ça le 27 février. Donc ouais, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que on prépare ce lore. En fait, on a investi beaucoup de temps dans le code 47 pour vous proposer quelque chose de cool. Et bon, mine de rien, la saison 1 qui s'annule à cause du serveur qui ferme. La saison 2 qu'on doit un peu précipiter la fin parce que c'est injouable avec les admins qui savent pas gérer leur serveur et les autres groupes qui font du stream hack. Et du coup, on s'est tous un petit peu dit que ce serait bien que l'on mette un petit peu de côté le côté sérieux. Parce que mine de rien, voilà, il fallait que l'on soit vraiment la fin de... Oui, voilà, pour la fin de Murray, ça valait le coup. Salut Sullivan, ça va et bien? Ça va et toi? Du coup, on s'est vraiment dit, ok, pour une nouvelle saison de RP, il faudrait vraiment que ce soit zéro prise de tête. Et en mode, il faut que tous les soirs, ça déconne. Voilà, en mode vraiment, il faut que tous les soirs, on soit là à rigoler, à même pas avoir pour vocation et pour ambition parvenir à gagner quelque chose, que ce soit que du loser RP. La fin de Murray, je me suis dit, attends, c'était incroyable. La fin de Murray, voilà, c'est aussi le signe du destin, tu vois. C'est un petit peu en mode, voilà, c'est le signe du destin en mode, il fallait que ça se termine comme ça, tu vois. Et salut Imraf, bienvenue. Salut à toi, ça va super bien, merci et toi. Tes viewers sont pas prêts à ce qu'on prépare. Eh ben écoute, effectivement Aubry, bienvenue, première fois sur la chaîne. Je pense que vous êtes pas prêts. Vraiment, je pense que il faut quand même mettre des petits disclaimers en mode. Parce que c'est vrai que moi, le RP, mine de rien, en tant que joueur, je le débute juste. Et salut Adon, je le débute juste. Et donc, du coup, ma commune, il y en a beaucoup qui découvrent le RP avec moi, en fait. Alors, il y en a d'autres qui suivaient avant, il y en a d'autres qui suivaient d'autres personnes, etc. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je vous habitue à un RP plutôt sérieux. Hein, même si on a eu des bons délires, etc. Comme la fête avec les autotamponneuses, etc. Ça restait quand même assez sérieux. Hein, on était vraiment. Là, vous allez voir qu'on part dans un truc, vraiment, c'est de l'absurde. C'est-à-dire que c'est absurde, il y a des choses, vous allez vous dire, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont consommé? Alors je tiens à vous signaler qu'on est tous sobres, on est tous sobres, donc voilà, on se lance vraiment en fait, ça ne sera pas du RP, c'est basé sur la bête, voilà, non, dites-vous que les Grey, c'est la typique famille du fin fond des États-Unis qui sont mais complètement... Ils ont 50 ans de retard sur notre vie quoi. Les Texans quoi, c'est raciste, c'est sexiste, c'est homophobe, c'est tout ça tu vois. Ils comprennent pas tout ça, tu vois, c'est vraiment le conformiste de base, etc. Bien entendu, on fixe des petites limites hein, parce qu'on reste en RP et que même si on incarne des personnages, on est dans un rôle. On n'a pas envie de blesser qui que ce soit, etc. Mais voilà, ça, on est des vrais bouseux. Et surtout, ils sont cons. Genre, quand ils sont cons, c'est pas quand... Ils sont pas cons en mode... Non mais il est con, tu vois. C'est con en mode... vraiment, leur QI est vraiment en dessous de la moyenne, tu vois. Je pense que dans toute la famille, ils ont un gène en moins, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, ils comprennent pas de certaines choses, en fait. Pour jouer un mot, un peu tu dois boire de bière avant de jouer, c'est ça en fait, faut que tu sois défoncé. Mais ils sont bofs, ils sont tout ce que tu veux, tu vois. C'est vraiment les voilà.
Vous allez voir. Vous allez voir l'introduction déjà, ce que ça donne. Je suis en train de surveiller juste parce que du coup, il faut qu'on soit raccord avec. Parce que pour l'introduction, alors bien entendu, comme à chaque fois, vous le savez, tout est improvisé. Mais pour le lancement de l'épisode et pour commencer cette saison, il faut que je sois avec Bobby. Bobby Gray. Mais là, pour moi, j'attends juste qu'il se connecte, voir un petit peu où ça en est. Je suis en train de voir, est-ce que je peux au moins me connecter et en cas vous présenter un petit peu le lore de la famille. Comme ça, vous verrez. Et en même temps, j'ai pas envie de faire ça. Ça va vous spoiler. En même temps. Donc j'ai peut-être pas envie de vous spoiler. Faut juste que Bobby, vous serez tous ensemble, vous jouerez le live en général en même temps. Alors. Moi, c'est pareil. Moi, je ne ferai pas du RP tous les soirs. Je ferai 2 à 3 fois par semaine, comme avec le code 47, et même je pense faire un petit peu moins que le code 47, genre vraiment que 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être un streamer RP. Je sais que vous appréciez, etc. Mais il y en a aussi qui n'apprécient pas, ou il y en a qui veulent vraiment qu'on reste aussi sur les autres jeux, sur des jeux rétro. Jerem, je sais pas, je pense que lui streamera tous les soirs. Mais sachant que là, en fait, ça va être un petit peu des épisodes, ça va pas se suivre quoi, en fait. C'est pas comme le code 47 où il va y avoir une évolution avec un but à atteindre. Là en mode c'est vraiment, même si vous loupez un épisode, vous allez pas être perdu quoi. Voilà, là c'est vraiment en mode, voilà. Et comme c'est vraiment plus léger, je m'autorise aussi le fait de, voilà. Tu l'avais déjà fait un peu le live, t'as présenté un peu le lore et l'arbre. Alors c'est pas l'arbre généalogique, hein, c'est l'arbre gynécologique des grès. Hein. Attention. Donc voilà. Donc c'est très important. Hein. Les grès ne connaissent pas la généalogie, eux c'est la gynécologie. Donc voilà. Mais du coup voilà. Mais après, oui, quand on va être en stream, la plupart du temps on va être tous ensemble. On est vraiment une meute. Hein, c'est la famille Gray, soudée ensemble, ils bossent ensemble, etc. Donc voilà, c'est ah, le micro grésille. Voilà, c'est mieux là. Bon, par contre, il fout quoi là, le patriarche de la maison là? Parce que mine de rien, il nous a dit 20h15, il est déjà en retard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Oui, il fait la vaisselle, t'as le temps. T'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Tac. Je suis en train de le biper, voir un peu. Tac. C'est sur quel type de serveur il y a? Alors, non, pas vraiment. C'est un serveur. C'est un serveur lambda en fait qui fait tout en fait. C'est pas un serveur bouseux en fait. Hâte de voir le look de Britney. Un rapide récapitulatif de qui est qui et qui fait quoi. Il reste qui du code 47 dans les grès? Alors quasiment tous. Quasiment, en fait, quasiment tout le code 47. Il n'y a que Connor qui n'y est pas. Et je me souviens déjà plus. 08. Celui qui était en fin de RP, qui n'est pas. Mais sinon, on y est tous. Genre, Hoybeck, Clint, Murray, bah Jax, tous. Ils y sont tous. On y est tous. Le staff a été vraiment cool et effectivement, effectivement, comment ça s'appelle, Roby a fait un très gros taf, etc.
sur toute la mise en place, etc. Mais moi, j'ai pas eu trop le temps de m'investir là sur le lancement. Et donc, du coup, toute l'équipe a vraiment. Vous allez voir, je veux pas trop vous spoiler, mais dites-vous qu'en une semaine et demie, on a plus de choses qu'en deux mois et demi sur l'ancien serveur. donc c'est assez ouf. C'est-à-dire que on a une ferme qui nous ont mappé pour nous. On a un business légal et illégal. On a vraiment mais genre 4 fois plus que ce que on avait sur Sony. Donc c'est assez cool. Et donc du coup vous allez voir, il y a vraiment une ferme, c'est là où la famille elle vit. Il y a le patriarche, qui a eu plusieurs enfants, qui lui aussi a eu des enfants. Voilà, mais en tout cas un gros travail a été fait où il y a déjà de l'argent, il y en a qui ont des véhicules, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très cool. Les véhicules, ce sera tracteur et pick-up. Ouais, globalement c'est ça. Hein. Vous nous verrez pas en Ferrari, en Lamborghini, en Audi. Hein. Vous nous verrez pas du tout. Hein. C'est un serveur tradi, police, gang, société. Exactement. C'est un petit peu le même qu'on avait sur le American Stories et sur Sony. Vous allez voir, il y a tout. D'où le fait qu'on peut tomber sur des gangs et foutre la merde dans un gang parce qu'on ne comprendra pas. Tu penses qu'il peut y avoir des ennemis ? Bien sûr. Ah bah bien sûr, parce qu'en fait on est tellement con que juste en fait le fait qu'on soit con va saouler les gens. Et nous c'est notre but. Il y a déjà des scènes là, je vous dis, mais il y a eu des soirs, mais c'était plus que n'importe quoi, où on a réussi à faire crasher un hélicoptère des EMS. C'est pour vous donner un exemple, tu vois. Britney qui est tombée de l'hélicoptère en fait, parce que Britney était mort. Et il s'est fait transporter en hélicoptère. Et en fait, ils avaient oublié de l'attacher. Et Britney est tombé de l'hélicoptère. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Non, mais il y a vraiment des trucs qui sont complètement. Complètement ouf. La saison 1, je sais pas, je crois pas. Moi, je l'ai pas faite. Tu as fait pas mal de trucs, Chris, ou pas ? Ouais, j'ai pas fait grand chose, honnêtement. Mis à part. J'étais. Caméraman. J'ai été caméraman. Tout le reste, c'est vous qui avez vraiment beaucoup taffé. Donc encore GG à vous sur tout ce qui est mis. Donc ça va être cool. Il y a Caio. Je pense qu'il y est, ouais. Mais vous ne verrez jamais les grès sur Caio. Vous ne verrez jamais les grès. Les grès, vraiment, voilà, c'est... Vous allez voir, vous allez vite comprendre... Vous allez vite comprendre tout ça. On a toujours pas de nouvelles de Bobby. Donc là, on peut pas. On peut pas trop dire quoi. Ah ben Ardeus et Bobby, voilà, de la saison 1. Genre une scène où genre j'appelle Britney, le mec, ça tombera une meuf au final, non. Ça va être ça. Faudra comprendre quand moi les 2-3 personnes que j'ai pu rencontrer sur le serveur, quand je leur ai expliqué pourquoi c'était Britney, tu vois les mecs même en étant sérieux ils étaient morts de rire. la scène où je me jette de l'hélicoptère quand ils me soignent, les EMS tu les entendais au micro, ils étaient morts de rire. Vraiment on est c'est voilà, mais et encore Britney c'est pas le pire je trouve, parce que moi j'ai un peu du mal à jouer ça, donc ça, je pense que je vais m'améliorer j'espère au fil des épisodes. Mais vous allez voir, il y en a de la famille Gris, ils sont très 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 forts. C'est voilà, ça va être très violent. Donc voilà. Donc bah maintenant j'ai hâte, mais c'est Molcus qui Bobby arrive, bah qui se bouge le cul hein. Donc Bobby c'est le père de Britney dans le RP. Donc Jérémy c'est mon père. Donc pour papa va falloir qu'il se bouge le cul là. Qu'il se bouge le cul là parce que on va rater l'avion. Et Robbie c'est papy. Robbie c'est papy. Jeff c'est tonton je crois. Ah même moi en fait le truc c'est que la famille elle est tellement grande que même moi je me rappelle même plus je me rappelle même pas en fait. Il faut que putain je me rappelle même plus, il faut que j'aille voir l'arbre gynécologique déjà. Je vais vous montrer enfin je vais vous dire l'arbre gynécologique si je le retrouve. Euh
Alors, il y a Elwood, c'est Papy, Papy Elwood. Papy Elwood qui a donc donné naissance. Putain, il est où à Bobby. Bobby qui a donné naissance à Britney. Bobby qui a un frère, donc Emilien, qu'on appelle Amy. Sachant que notre famille c'est Gray, Amy Gray. Voilà, ça vous donne un petit peu un exemple de voilà. Elwood qui a également eu un fils qui s'appelle Sammy. Sachant que la mère porteuse c'est Wendy, mais elle vous la verrez pas. Sammy a eu un enfant avec sa propre mère. Ah, c'est dégueulasse, hein, mais c'est des rednecks. Hein, qui s'appelle Sean. Donc Sean, c'est mon cousin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Wendy a également eu un fils qui s'appelle... Ah non, pardon. Sammy, c'est pas le fils de Elwood, c'est le fils de Clint. Clint Eastwood. mais voilà. Ensuite, Elwood a également eu un enfant avec une femme qui s'appelle Texana Wood. Il a eu Jefferson. Putain, mais c'est tellement en fait... mais oui, mais attendez. Regarde, l'arbre, vraiment ça, l'arbre. Tout ce qu'il y a, c'est en fait, vous savez, un arbre généalogique à la base, c'est comme ça, c'est une pyramide. Il y a les parents et après, tu vois, regardez l'arbre des grès. L'arbre des grès, les amis, c'est en longueur. C'est là que tu vois bien qu'il y a un problème. Attends, moi, je vais afficher l'arbre pour vous montrer un petit peu, mais tu vois qu'il y a un problème là quand même. Et tu te dis... Alors attendez, je suis en train d'aller chercher. Hop. Tac. Hop là. Du coup, voilà un petit peu là. Regardez ce bordel. Regardez-moi ce bordel. Regardez-moi dans ce bordel, toute cette famille de consanguins là. Qu'est-ce que tu veux y arriver? Britney il est là, vous voyez. Tac. Donc il y a Elwood et Wendy qui ont eu Bobby et Amy. Bobby qui a eu avec Kimberly Britney. Wendy et Clint Eastwood, qui est un acteur porno, ils ont eu Sammy. Sammy avec Wendy, qui est sa mère, ils ont eu Sean. Clint Gray, il a été trouvé dans un champ de crop circle. On vous expliquera. Morglux, c'est la divinité. On vous expliquera aussi. Charles Henry, on sait pas. Il est arrivé là un jour, on sait pas trop. Ensuite, Elwood, il a également eu Jefferson avec Texana Wood. Kimberly. Alors, Merle et Kimberly, ils ont eu Cletus et... Merle, il a également eu Buck avec Cécile. Putain, c'est un bordel. Wendy et Pedro, ils ont eu Rufus et Merle. Oh, mais c'est un bordel. Je... Voilà. Bon, bref, voilà un petit peu l'arbre gynécologique de la famille. Alors, effectivement, les géniteurs, donc c'est les papas. Les mamans en orange. Et les erreurs, bah, c'est les enfants qui du coup forcément nous donne voilà. Voilà un petit peu ce qui vous attend avec la famille Grey, les amis.
voir ce qui vous attend avec la famille Grey. Je regarde si de son côté. Ok, Bobby, il arrive. Donc voilà. Est-ce que vous avez compris un petit peu dans quoi vous mettez les pieds? Et que forcément, ça ne peut pas aller. Que forcément, il y a des trucs qui vont pas et que. Faut pas croiser les gènes. Hein. Et que là, c'est même plus que les gènes sont croisés, c'est que. Pedro trouvait l'ouvrier du bâtiment, oui. C'est un bordel organisé, c'est ça. C'est un petit peu ça. Il veut tout dire. Il veut tout dire, notre arbre généalogique. Ah mais là oui, hein. Là, je pense que ça pose vraiment les bases en mode. En mode voilà. Je suis juste en train de voir. Voilà. Je suis en train de. J'ai donné un petit peu. J'ai donné un petit peu le comment ça s'appelle la directive à comment ça s'appelle à Bobby pour comprendre un petit peu où on en est. Salut Chris, merci beaucoup pour le partage de ma plus. Oui, yes, merci Florent. D'ailleurs, bah oui, bah voilà, nickel. Bah Florent, bienvenue à toi. Et ça va être le moment parfait, puisque du coup, on attend que Bobby se connecte. Les amis, j'en profite pour vous rappeler, je vous en ai parlé sur ma story Insta, également sur mes réseaux. Ah et putain, j'ai. Voilà. Florent, que vous connaissez si vous avez suivi le Grand Tour NSTG, vous savez, mon documentaire que j'ai fait en 2018, où j'ai fait un tour de France à la rencontre de personnes en situation de handicap pour voir un petit peu comment ils arrivent à jouer aux jeux vidéo malgré leur handicap. Et ben Florent, il met en place un projet exceptionnel avec son ami Rémi. Et en fait, il faut qu'il récolte des dons pour en fait participer à un essai clinique qui, tout simplement, pourrait leur permettre de espérer à retrouver une mobilité. Donc, bien entendu, c'est extrêmement coûteux, mais ça peut radicalement changer leur vie. Donc, je vous invite vraiment et je vous partage le lien directement à au moins, parce qu'après, je peux comprendre qu'il y en ait qui ne puissent pas forcément participer, mais au moins le partager, les amis, parce que on ne sait jamais, ça peut arriver. Le partage fait partie des richesses et donc n'hésitez pas à aller sur mon post. Vous avez toute l'information. Moi, je vous explique en 3 tweets clairement un petit peu ce qu'il en est, mais vous avez un message de Florent qui vous explique vraiment entièrement. Ce qui lui est arrivé, etc. Et vous avez des liens que je vous ai également partagés. Un premier lien qui vous explique un petit peu, bah voilà, comme ils disent, hein, à construire leur deuxième chance pour arriver à tout simplement retrouver de la mobilité et également pour faire un don, sachant que ça peut être défiscalisé, etc. Donc n'hésitez pas, les amis, vraiment à y aller. Moi, je compte sur vous pour pouvoir les aider. Et si vous avez envie de découvrir l'histoire de Florent, je n'ai pas pu rencontrer son ami Rémi, mais Florent, vous allez sur mon site de l'asso NSTG, qui est juste là. Et du coup, sur le site de l'asso NSTG, si vous allez dans le grand tour tout en haut, et ben vous avez un petit peu l'explication de ces deux projets. J'ai fait deux éditions, une en 2018, une en 2019. Et donc, vous allez par exemple dans l'édition 1 en 2018. Et là, vous avez tous les joueurs que nous avons rencontrés avec leurs histoires. Allez-y parce que c'est une leçon de vie, les amis. Vraiment, c'est une leçon de vie. Et Florent, il est là. Il est là. C'était en clôture du premier épisode. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce projet. Hein, parce que déjà, moi, il me tient énormément à cœur. Et surtout parce que chaque joueurs qu'on a rencontrés, autant dans l'édition 1, hein, il y a des joueurs que vous pouvez sans doute connaître, hein, Hichem, DJH, mais également dans l'édition 2. C'est des véritables leçons de vie, les amis.
On a rencontré Alexandre, Thomas, Menton TV, Rebird, etc. Dans l'épisode 8 avec Baptiste et Cali aussi qui est incroyable. Et vous avez un gros making-of de 3 heures qui nous permet en fait de nous suivre comme si vous y étiez vraiment. Donc je vous invite vraiment à y aller. Il y a les rencontres abonnés, etc. Vous pouvez tout voir vraiment. C'est vraiment un projet... moi qui l'un de mes deux projets, les deux projets dont je suis peut-être le plus fier de à ce jour, et donc n'hésitez pas à y aller et encore une fois au moins allez partager ça sur vos réseaux les amis, l'histoire de Florent et de Rémi pour eh ben, essayer de les aider au maximum dans ce projet. Donc voilà, sur cela les amis, je compte sur vous et donc sur cela. Oh là là, mais Bobby il est pas du tout prêt. Attendez. Discussion, on est là. Faut que je lui renvoie les liens. Tac. Ça y est, on va pouvoir lancer dans 5 petites minutes. Est-ce que vous avez des dernières questions? Alors, à la fois sur le projet de Florent, à la fois sur le projet du Grand Tour NSTG, ou à la fois sur du GTA-RP. N'hésitez pas, les amis. C'est le moment vraiment un petit peu là, en mode... tout est à vous. Vous pouvez tout faire. Je vous écoute. Moi, en même temps, je prépare tout ça. Tac. Hey, vous êtes super sage ce soir. Hein. J'espère que vous serez plus motivés parce que vous êtes plus de 60 dans le chat. Et j'ai l'impression que ça rompiche un petit peu. Hein. Donc voilà. Hein, on va... Réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. J'aurais peut-être aussi des choses en parlant de l'assaut NSTG à vous partager prochainement. Il y en a beaucoup qui me demandent si l'assaut est toujours d'actualité. Toujours. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent... Salut Fabio ! Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui prennent du temps. Qui prennent genre vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, il y a déjà un projet dans lequel je n'ai jamais parlé, mais qui est en place depuis un an et demi. Et donc j'espère qu'on va pouvoir vous faire une petite vidéo sympa prochainement. Bah, il y a le projet qu'on a fait avec Jérémy, hein, puisque avec la Swan Estagia, on a été les premiers à soutenir... comment ça s'appelle, le projet de SafeBear, l'application pour lutter contre le cyberharcèlement. Et donc c'est vrai que le Grand Tour NSTG, je vous cache pas que je suis en train de préparer une troisième édition qui sera l'édition finale. Donc voilà. L'événement RP que tu devais faire et qui a été annulé, tu vas le refaire un jour. J'espère. Vraiment, j'espère parce que... pas de soucis Fabio, tu peux mettre une pêche. Hein, t'es content d'être avec nous, très bien, sois à l'aise. Mais du coup, j'espère que l'événement RP, on va pouvoir le refaire, faut que je m'organise avec le hub. La scène IRL, ce serait vraiment très cool de la faire. Maintenant, est-ce qu'on part sur une scène IRL de Jax et Oybeck? Ou est-ce qu'on part sur une scène IRL de la famille Grey? Ça va être le défi, tu vois. Salut Titi, bonjour Chris, tu vas faire un NSTG? J'aimerais beaucoup. Maintenant, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, mais j'aimerais. J'attends avec impatience le prochain tour NSTG, le dernier était génial. Merci beaucoup. Oh là, ça me motive là, de voir ça. C'est vrai que revoir les images, etc. Moi, je vous dis une chose, c'est que j'ai jamais regardé ce documentaire. Parce que pour moi, c'est un petit peu trop fort en émotion, ça me... Mais je vous cache pas que... Ouais. Que je travaille sur une troisième édition du Grand Tour NSTG depuis plusieurs mois déjà. Mais il faut que j'arrive à récolter 15 000 euros. Donc, compliqué. Yo mon Loïko. Ah bah tu viens de louper toute la séquence où on a parlé de tout du projet de ton frère. Tu viens de le louper. De nouvelles du docu Hot Coffee, toujours en écriture. Salut Epsilon. Franchement, je vais les règles ce soir car ça joue, j'ai pas encore vu les deux éditions. Allez, vas-y. Hein. Alors, commence par la première parce que la première, elle est très amateur. Hein. C'était vraiment la première fois qu'on le lançait. Par contre, la deuxième, on a vraiment fait un gap et on va faire également un gap.
Et j'ai envie de faire un gap pour la troisième édition qui sera la dernière. Là, par contre, je vous le dis, quoi qu'il arrive, ce sera la dernière. Parce que quand on a fait la première édition, c'était vraiment en mode aucun jeu n'est accessible. Il n'y a pas d'accessibilité. Il faut parler de l'accessibilité. Il faut montrer les personnes en situation de handicap et parler de leurs problèmes. Et en fait, on a vraiment lancé ça au bon moment, puisque c'est à ce moment-là que Microsoft a lancé, etc. Et donc, on a vraiment fait une deuxième. On en a fait le deuxième l'année d'après pour voir déjà les évolutions. On devait faire la troisième en 2020, annulée à cause du Covid. 2021, annulée à cause du Covid. 2022, compliqué, parce que là, du coup, j'avais pas forcément le temps. Et donc, depuis l'année dernière, j'y retravaille. Et donc là, je suis en train de voir pour vraiment faire l'édition 3 en 2024. Et donc, ce sera la dernière, parce que maintenant, ça y est, les jeux commencent à être accessibles, ils commencent à avoir du matériel. Et donc, du coup, maintenant, je pense qu'en fait, on a juste envie de faire une dernière pour boucler la boucle et montrer les évolutions qu'il y a eu et bah, vous représenter de nouveaux joueurs avec, encore une fois, de très belles histoires. Donc voilà. Mais ce sera la dernière édition. Par contre, j'ai déjà des projets avec mon association caritative, de très beaux projets à faire après. C'est-à-dire que le Grand Tour NSTG avec ses, ses trois documentaires sur un Tour de France pour partir à la rencontre de joueurs en situation de handicap, c'était la première étape. Et maintenant, il y a d'autres choses à faire. Toujours pour promouvoir la bienveillance dans le jeu vidéo et rendre heureux des gens. Moi, c'est vraiment mon objectif avec cette association, c'est arriver à rendre heureux des gens. Arriver à pas changer des vies, mais le temps d'une heure, deux heures, trois heures de, voilà, des gens qui sont en situation de handicap ou qui sont malades ou qui ont des soucis, arriver de leur dire, allez voilà, là pendant 3 heures on passe un bon moment ensemble et on se change les idées, donc voilà. Donc voilà, il y a encore pas mal de projets qui arrivent, mais sachant que, ça y est, sachant que ça prend du temps avec ces bénévoles, voilà. Sur cela les amis, ah, pas de spoil sur la fin de la saison 2, t'inquiète pas. Jax et le code 47, c'est terminé les amis. Maintenant, place à la suite avec donc la saison 3 et donc les grès. Et je vous laisse directement, on attaque maintenant les amis. C'est parti. Bienvenue dans notre nouvelle émission Inside America, l'émission qui vous plonge au plus profond de l'Amérique. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous au cœur de Blaine County, non loin des terres désolées de Los Santos, pour découvrir la famille Gray, une formidable famille qui vit de tout ce que la nature peut leur offrir. Découvrons ces personnages atypiques mais attachants. Je me nomme Charles-Henri, aka Charlie. Charles-Henri a 38 ans, il aime fumer toutes sortes d'herbes. Il est le champion régional de wheeling en moto avec des petites roulettes. Il a aussi sa carte de membre VIP dans 92 clubs SM du pays. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air la société capitaliste. Salut, moi c'est Jefferson, kaboom. Jefferson a 34 ans, il a toute la collection Altaïa des différentes sortes de dynamite. Il a appris à draguer avec le livre de drague de Michael Vendetta. Son intelligence est supérieure à 2 pi carrés par rapport aux autres membres des Grey, du moins selon ses calculs. Moi, on m'appelle Kaboom parce que je me suis retrouvé bloqué dans une mine et c'est la poudre noire qui m'a sauvé la vie. Salut, moi c'est Bobby et je gère tous ces débiles. Bobby a 44 ans, il adore uriner sur son père. Il passe son temps à manger sous la douche. Il est pris d'une puissante et soudaine érection dès qu'il entend le nom de Morglux. Alors moi, on m'appelle Bobby l'élu, parce que je suis le seul qui peut parler avec Morglux, la seule entité, Dieu, qui existe sur cette planète. Et il ressemble à un magnifique petit alien avec un énorme yeux et yeux énorme, qui ressemble à une couille. Moi, j'aime bien. Moi, c'est Britney. Britney, elle, il a 28 ans. Il est persuadé d'être frère de prénom avec la chanteuse Britney Spears. Il est passionné par les slips kangourous et en possède déjà 84 sortes différentes. Et il a la phobie des skateboards. Je m'appelle comme ça parce qu'en fait quand je suis né, quand j'étais petit, popo et maman, ils ont pas vu que j'étais un garçon. Donc ils croyaient que j'étais une fille, donc ils m'ont appelé Britney. Et en fait après les papiers de l'état civil ont été faits. Et donc après c'était trop tard, donc j'ai gardé Britney. Mais
Mais je suis un garçon, hein, jeune zizi, hein. Jeune zizi. Et salut, moi c'est Samy. Samy la gifle. Samy a 42 ans. Il est champion local. Bienvenue dans notre nouvelle émission. Ici avec ma femme. Foot. Donc, bah, il croyait que j'étais une fille, donc il m'a appelé Britney. Et bah, en fait, après, les papiers de l'état civil ont été faits. Et donc, bah, après, c'était trop tard, donc bah, j'ai gardé Britney. Mais je suis un garçon, hein, jeune zizi, hein. Jeune zizi. Et salut, moi c'est Samy. Samy la gifle. Samy a 42 ans. Il est champion local de la gifle d'acier décernée par Routier Magazine. Il aime un peu trop sa maman. Il raffole de la maïzena, il en met dans tous ses plats. Avec maman, on a eu notre chaune, mon fiston, ma castagne. J'adore foutre des gifles à tout le monde. Et ce que je préfère le par-dessus tout, c'est la maïzena. Ah. Yeah, moi c'est Sean. Sean a 20 ans, il est passionné de Jean-Claude Van Damme. Il adore se battre pour faire comme JCVD. Il raffole de la poudre blanche, la fameuse farine qui fait rigoler. Comme son père, il est champion local de la gifle d'acier, décerné cette fois par Camion Magazine. Comme le daron, il a dit tout à l'heure. La seule façon de communication, c'est avec les bras. Ouais, moi c'est Merle Gray. Je suis venu ici avec ma famille. Merle a 38 ans. Il confond l'eau et l'alcool. Il rêve de devenir papa de son tracteur qu'il prénomme Kimberley. Son surnom est Tête de Brique, car il aime prendre et donner des coups. J'ai des petits problèmes d'alcool. Et j'aimerais bien féconder un tracteur. Salut, moi c'est Amy. Amy a 25 ans, il est légèrement bené. Il est fidèle à sa famille, même sexuellement. Il se dit lui-même être un amoureux des animaux. Mon papa, en fait, quand j'étais bébé, mon berceau l'a pris feu et puis il a voulu éteindre avec une pelle, sauf que j'étais encore dedans. Salut, moi c'est Clint. Clint a 30 ans. Il a été trouvé bébé dans un crop circle et recherche désespérément ses parents. Il ne supporte pas qu'on lui parle de Morglux. Et il a perdu une testicule à cause d'une ex jalouse. Ouais, mais moi du coup, j'ai été trouvé dans un crop circle par Wendy. Et donc du coup, voilà, depuis, je fais partie des Grey, je suis comme un Taylor. Et du coup, voilà. Ben, salut à tous, moi c'est Elwood. Elwood a 69 ans, il est secrètement amoureux de sa voiture pépette. Il est aujourd'hui encore un principal suspect de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et c'est un ancien catcheur mexicain masqué à la retraite. Et par contre, toi, le tacos, je vais demander de sortir. C'est une propriété privée, donc va ranger ta caméra. Eh bien, bonjour, messieurs. Bonjour. Oh, salut. Je vois que ça travaille dur. Est-ce qu'il y a-t-il un représentant là parmi vous à qui je peux m'adresser? Oh, papa, c'est pour toi, je crois. Oui, bonjour, oui. Oui, bonjour, monsieur. Bah, écoutez, je vois que vous avez une très belle ferme. Ça tombe bien, je cherche des gens comme vous. J'ai une proposition à vous faire. Ok. Effectivement, je cherche des gens comme vous car, en fait, si vous voulez, j'ai quelque chose de très intéressant, je pense, à vous proposer. Ça sera toujours mieux que de faire planter des carottes, hein, sans vouloir, bien sûr. Mais en tout cas, faites-moi confiance. Si on peut en discuter, et je peux vous dire que ça pousse très rapidement ce que j'ai à vous proposer, ça rapporte beaucoup. Beaucoup plus que les bonnes carottes avec lesquelles on a gagné plusieurs prix fermiers. Ne vous inquiétez pas, c'est surtout que ça pousse beaucoup plus vite que les carottes. Donnez-moi votre numéro, on discutera. Hein. Très bien. Vous écoute. Oui, alors 907. Oui. 582. Oui. 8301. Ok, bon ben je vous rappellerai, je vais en discuter, réfléchir et je vous rappellerai quoi. Je pense que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. On se tient au courant. Merci okay, à vous. Ok, ben, merci à vous. Hein. Allez, bon courage. Bonne journée, au revoir. Hein. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ouais. Popo, moi je le sens pas. Hein. Ben, on verra. Vraiment, tu creuses et tu fermes ta gueule. Ah oui, papa. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais... Bon, papa, moi, c'est un service secret. Il va nous niquer, lui. T'as vu son costume et t'as vu sa voiture? Eh, il ressemble à un acteur porno. Oh, on dirait le truc, là, avec le tiki-wiki jaune, rouge, bleu et le soleil qui parle.
C'est un truc de pédophile, ça. T'as mangé encore les champignons hallucinogènes de ton grand-père, toi. Non, non, mais truc de pédophile, ça, je te le dis, moi. Ouais, t'as mangé les champignons encore, là. Ah, il creuse. Oui. Hello. Oui, monsieur Gray. Ouais, c'est moi, ouais. Oui, monsieur Do, à l'appareil. On s'est rencontré, vous savez, il n'y a pas si longtemps à votre ferme. Ah oui, vous êtes le pingouin en chemise, là. Bon, c'est qui? Si vous le dites. La gueule, rejeton, putain, je suis au téléphone. Ouais, dites-moi, par rapport à la proposition, donc vous avez bien compris qu'on parlait d'opium? C'est quoi, ça? Vous savez bien, la chose qui rend un peu... qui fait rêver les gens, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai coincé ma braguette, Popo. Attendez deux secondes. Britney, arrête de jouer avec ta tub. Ou sinon, si, vas-y, va plus fort avec le truc, là. Tu vas te la couper, comme ça, j'aurai enfin une fille. Oui, du coup, vous me disiez, pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous voyez ce que c'est que de l'herbe? Ouais, le truc qu'on donne aux vaches, là, pour qu'elles mangent et pour qu'après, on puisse faire des steaks. Plutôt celle à laquelle on fait des cigarettes magiques. Si, je sais pas. Moi, la seule magie que je connais, c'est les aliens. J'ai fermé la baguette, j'ai mal. Si vous voulez, ce que je vous propose, c'est que je vous donne des graines, vous les fertilisez pour moi. Ouais. Vous allez voir que ça pousse très très vite. Pourquoi ça saigne? Et je viens récupérer. Britney, arrête de casser le cou, je suis téfeu pour le business. Non mais pourquoi, j'ai fait la fermeture éclair, ça saigne. Une fois que la graine et que la plante pousse et qu'elle arrive à maturation, vous passez me voir, je vous donne de l'argent, on s'arrange sur les prix, vous repartez et je peux vous dire qu'on peut faire un très très bon business comme ça. Pour fertiliser les plantes, il faut que je baisse le sol. Ah bah écoutez, ça, votre technique, vous faites la même technique que quand je suis venu vous voir, apparemment ça marche très bien, donc s'il faut baiser le sol, y a pas de problème. Ok, parfait. Pourquoi j'ai mes règles, je crois que j'ai mes règles, Popo. Va voir ton grand-père, arrête de me faire chier, là. Mais bon, Poppy, il est pas là, Poppy. Écoutez, je vois que vous êtes occupé, mais bon, on se tient au courant, je passerai vous donner la marchandise, et puis on s'en occupera en parlant de ça. Ça y est, Popo, c'est la puberté, j'ai mes règles. Dans la grange, là, je me débrouillerai, quoi. Y a pas de problème, je vais passer vous donner ça. Et merci beaucoup. Hein. Merci on à vous. On se tient au courant, quoi. Allez, au revoir. Hein. Allez, bonjour à votre famille, au revoir. Ça fait mal. Ça fait mal les règles, Popo. Ça fait mal. Putain, Britney, je te jure, la prochaine fois que tu m'empêches de faire du business, je te casse ta gueule. Mais Popo. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Qu'est-ce qu'il fout là, le pingouin, là, mal coloré? Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est propriété privée ici, hein. Oui, mais vous inquiétez pas, je viens de la part de votre fils, monsieur Gray, Bobby Gray. Ouais. Il vous a peut-être pas parlé de ma venue. Il m'a vite fait parler d'un truc, oui. Oui, alors c'est... Voilà, le truc dont il va parler, en fait, si vous voulez, c'est moi, je vous apporte quelques graines à faire pousser pour faire beaucoup d'argent. Vous me dites où est-ce que je peux les mettre? Ouais, ça va, cale ça là-bas. Très bien, merci. Tête de con, va. Je sens que nous allons faire de bonnes affaires ensemble. On va voir. Vous direz au fils que je lui ai envoyé le point. Une fois que les plantes seront à maturité, vous pourrez passer me voir et je lui donnerai une petite valise bien remplie. Ça va, pas de souci. Je transmettrai l'info. Bon, écoutez, monsieur Gray, je vous dérange pas plus et merci pour votre accueil. Ouais. Vous avez une très belle ferme. Oui, c'est la mienne, faites bien gaffe. Il a laissé son coffre ouvert, le con.
C'est quoi ça encore? Comme d'habitude, de toute façon, lui qui... Attends un moment, attends, c'est parce que j'ai pas prévu... J'avais pas prévu des commandes, j'ai eu un spasme là. Attention hein, je te casse la gueule moi. Non, pas, j'ai eu un spasme. D'habitude. Bon allez, venez, là, parce que putain, le vieux, il faut venir nous faire chier. Déjà que le voyage a été long. Moi j'ai pas vu passer hein, j'ai pas compris. J'ai bu dans le gobelet et après je me souviens plus. Ah oui, c'est normal, je t'ai mis des somnifères dedans, tu me cassais trop les couilles. Par contre, Popo, j'ai eu kiki tout dur tout le long du voyage. Hein. Oui, c'est pas grave, ça, tu dormais, on s'en bat les couilles. Bah oui, mais bon, j'ai senti quand même. Bah ouais. On arrive à l'aéroport du con. Hein. Bouge ta race là. On va où, Popo? On va où là? On va chez Papy Y? Avance, tu te dépêches. Il me casse déjà les couilles. Hein. Qui ça Popo? Qui ça? Ton grand-père. Papy Wood? Oui, Papy Wood, ouais, il arrive avec sa merde là. Et c'est lui qui nous a foutu ce vol de merde là. Il commence déjà à me brouter là. Bon, je comprends pas, on va le brouter, hein, Popy, hein, on va le brouter hein, parce que. Bon, on a fait quand même 15 heures de vol hein, pour faire 100 km. On serait allé plus vite en carrette. Hein. Ah oui, je pense que même à pied. Putain, regarde, il y a la poubelle qui arrive là. Mais le v'là le vieux. Popy! Oui, allez, montez! Ah, je suis content de te voir, Popy, t'as vu, on a hors de question, je paye le parking, bouge ton cul à monter là! On a la même chemise, Popy! Bon, oui. Tu montes, t'es mis là, putain, et vraiment, t'as le chromosome en moins, toi. C'est mon cerveau, c'est bien que mon cerveau il est lent. T'as un chromosome en moins, surtout. Un coup de pelle en trop que je t'ai foutu dans ta gueule, toi. Ouais. Ça fait que tu bien. Eh, Popy, on est frères de chemise! Il est content. Pourquoi tu réponds pas, Popy? Bah, t'es con, je te réponds, mais t'arrêtes pas de me couper. Ah, pardon. Popy, t'as tes warnings. Et alors? Il fait nuit, non? Bah, oui, mais faut allumer tes phares. Mettre les feux, là. Mettre les feux, du coup. Mais j'ai plus de batterie quasiment. Hors de question que je chingue la batterie là-dessus. Oh putain. Ah, tes pneus, ils sont pas droits aussi, hein. Non mais ça c'est parce que papy là... Ta gueule non plus et pourtant j'en fais pas tout un foin. Ouais, c'est ça, il touche toujours ta gueule pour rien toi. Bon et du coup t'as reçu le vieux pingouin là. T'as reçu le vieux pingouin là qui devait venir là pour lui mettre des trucs là. Bah il est venu 2-3 fois ouais avec des caisses et des caisses là j'ai tout foutu dans Popy, la grange. Popy c'est le parking là tu sais tu vas... Mets le GPS alors... Popy. Mais pas besoin de GPS hein, je connais la route. Attention Popy t'as niqué la carrette. Eh, j'ai rien touché. Et qui est-ce qui a mis le panneau là? Popy, t'es sûr que tu peux encore conduire? Mais bien sûr, t'inquiète. Et j'espère que t'as pas touché ma collection de voitures. Hein. Une collection de voitures, c'est ça. T'es un tas de merde, là, non. T'inquiète, je suis bien resté avec Pépette et Wendy. Très bien. Popy, il est amoureux de Pépette. Ouais, il sait, la dernière fois, on l'a retrouvé en train de fourrer sa bagnole. Là. Alors je t'ai dit que c'est un accident, j'ai glissé. Cinq fois en deux jours t'as glissé. Eh ben oui, t'as toujours pas nettoyé la grange, donc à chaque fois malheureusement je glisse. Oui forcément, oui. Tu vas me dire aussi que c'est de la faute de Morglux aussi, non? J'ai déjà dit de pas mêler Morglux à tout ça. Oui, bien sûr, oui. Ouais, c'est ça, de toute façon, depuis qu'il te parle plus à toi qu'à moi, tu te sens plus pété. Ça c'est sûr, tu crois, moi il vient me voir de la nuit quand je suis en slip. Après il parlera à moi Morglux, hein. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, l'espoir fait vivre et toi tu verras, t'es immortel avec ça. Bah, c'est la suite logique, il parle à Popy, il parle à Popa et après il parle à Britney. Oui. Bah, en fait, normalement, non, après il va parler à Amy, après il va parler à tout le monde. Enfin, mais Britney, c'est à la fin. Ouais, mais Britney est spécial et Morglus, je vais être son préféré, vous allez voir. Oui. Ouais, ta gueule. Popy, t'as roté. Ah bah écoute, quand il m'a fait me dépêcher, j'ai juste bu boire 4 coca avant de démarrer. Quelle idée de venir à un atterrissage de nuit aussi. Oh bah, Popy, tant qu'à réserver hein. Il est con celui-là hein. Oui bah bon, partir à 12h d'ici là quand même. Moi j'ai réservé, c'était le matin quoi. Oui mais non, en fait t'as pas regardé, c'était le matin mais pas le bon matin. Il y avait marqué 1h, mais c'était 1h du matin espèce de con. Bah oui mais merde.
Poppy. Vraiment, faut vraiment con, Poppy. Putain, ça montre, elle met toujours la même heure. Elle est à l'heure que deux fois par jour. C'est vrai, ouais. On va où, la Poppy? On va à la ferme? Non. Tu m'as passé un coup de fil l'autre fois, je devais contacter des gens, toi, derrière. Oui, putain, c'est vrai. Non, mais attends, mais ils sont revenus de vacances, les lupins. Alors, t'en as deux, trois qui sont revenus de vacances, t'en as, ils y sont encore. T'en as, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient parce que c'était plus intéressant. D'accord. Et l'autre, là, comment il s'appelle, Samy et son gamin, ils ont fini leur tournée en Russie. Ok. Pour leur tournoi, donc ils étaient quand même sur le retour. Ok. Mais du coup, attends, il manque qui là? Parce que attends, j'ai demandé de rappeler les frérots, les cousins, tout ça là. Donc tu as réussi à récupérer qui en fait sur le tas? Un peu tout le monde quoi. Tu m'as donné 2-3 noms, genre Rufus, il était encore en déplacement. Merle, il devrait être arrivé. Oui. Britney, malheureusement, est arrivé. C'est moi. Oui, c'est toi, c'est bien, c'est bien, il est content. Ouais, j'ai content. On a essayé de le laisser dans l'avion, hein, mais nous l'ont... Ils nous l'ont redonné, on a essayé de le mettre, si on a mis la petite étiquette bagage volé, et ils n'en ont pas voulu. Bah, je vous aurais manqué, hein. On sait très bien que Bitney c'est le beau préféré, hein. Un bon pire. Oui, bien sûr. Tu tiens pas non plus de ta mère que de ton père, toi, Britney, hein. Bah oui, mais j'ai... Et c'est quand que je pourrais la rencontrer, moment d'ailleurs? Je sais pas, un jour. Ouais, mais tu me dis ça depuis que je suis petit, hein, Popo, hein. Moi j'ai envie de voir moment. Mais... J'ai toujours pas eu l'occasion de téter, hein. Je t'avais d'abord d'hôpital psychiatrique. Mais je l'ai vu une fois, ta mère, et... C'est bien. Et quoi? Voilà ce que ça fait. Bon, mais au passage, on reprend le dîner de ce soir, les gars. Il faut prendre. Attends, on peut faire des bons trucs avec. Hein. Et dis-moi, vieux con, là. T'as récupéré aussi les clés de mon diner ou pas? Ou il a été saisi par le gouvernement? Non, je m'en suis occupé. C'est bien. Mais bon, moi, t'as servi à quelque chose, quoi. J'ai fait des petits recrutements à gauche, à droite pour dans ceux de la famille. Oui. On a fait bosser les intérimaires. Hein, Il y a des citrons et du Nesquik qui est venu bosser un petit peu. Oh Popo, il y a un chat par terre, il y a un chat. Où c'est, il y a un chat. Oh là là. Oh Popo, il y a un chat. Britney, prochaine fois que tu me coupes alors que je suis en train d'expliquer un truc à ton père, je te défonce ta gueule. Bon, pardon, Popi, pardon. Ouais, donc tu disais quoi du coup? T'as recruté des citrons et des Nesquik? Bah là, il sait pas, il a l'Alzheimer, Popi. Il sait plus ce qu'il disait. On se peut nous faire chier. Bon. Mais attends, putain, c'est quoi cette réunion de cons là? Bah, c'est les cons que tu m'as demandé. Oh merde. Mais putain, c'est. Je me pas qu'ils c'est notre moche. Famille, Popo. Je me rappelais pas qu'ils étaient aussi moches, bordel. Bon. Il est où le pack de bière? Hey, il est dans le code de la voiture. Ça y est, il arrive, le mieux et la soif. Allez, salut. Salut les gars. Salut, Twist. Salut les vieux. Putain, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Toujours aussi moche, hein. Alors, je change pas une bonne équipe qui gagne, nous. Plaisir vous voir, les copains. Mais nous, non. C'est rigolo. Oui, Britney, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Y'a Samy, Popo, y'a Samy. Josh, course. C'est la famille, hein. Comment, Samy? Samy, t'arrives plus à sortir de ta voiture ou quoi? Tu t'es cassé la gueule direct. Mais t'as le même chapeau depuis 15 ans, ouais. Tu les as changés, j'espère. J'entends des trucs bizarres sortir de ta bouche, moi. Changer quoi? Non, il est rempli à chaque fois les cadets, lui. Il change pas. Bah, quand j'ai une petite envie, ouais, putain, ça va. Bah, on est un rouquin dans la famille. Bah oui, il y a moi, hein. C'est quoi, il y a ton nom à toi? Cléitus. Oh putain, c'est vrai, c'est Cléitus. Oh merde. Oui, il y a moi. C'est Cléitus, c'est mon frère à moi. Oh putain, Pourquoi ses cheveux sont comme ça? Bah, c'est parce que maman était comme ça. Ah, il envoyé du diable. Tu connais ta maman, toi? Non, mais il cognait pas, mais apparemment il y avait des cheveux comme ça, Popo, t'es sûr qu'il est de la famille, lui? Il est de la famille, il est du coin. Frère, il est du coin gauche, mon après trois consanguinités. Putain, Samy! Ouais! Tu n'as pas eu d'exécution, va! Qu'est-ce qu'il fait encore? Bah, il pisse. Ouais! Popi, fais gaffe à ta hanche, Popi! Attention à sa colle du fémur! Attends, allez, mieux, Popi, comment ça marche? Il va pas me péter le col de l'utérus, t'inquiète pas! Ah oui, bah oui, attention, Popi! Il y a trop de lumière!
Pompon, Pompon, c'est à qui ça? Regarde comment il est beau. Bah c'est bien celui-là. Hop là. Non, mais... Attends, putain, c'est incroyable. Eh Britney, si tu l'abîmes, je te fais la... Mais bordel, mon pick-up. Putain, je t'ai dit de pas l'abîmer. Putain. Attends, non. Y'a pas petit chou. Attendez, mais arrêtez. Pompon, calme-les, ils font n'importe quoi. Attends, je me rhabille parce qu'il y a Samy qui m'a encore fait sauter les lunettes, là, j'en ai marre. Pompon, je sais à conduire toi aussi. Je sais du nez, mais oui, mais parce que le... il avait déjà ses vitesses enclenchées. Ouais, il faut faire attention, ouais. Pompon, il m'a écrasé. Ouais. Putain, mais calmez-vous, bordel! Mais putain, ah bah, Brit! Bon, bon, mais Britney, c'est pas ma faute, c'est la voiture, elle voulait se venger de ce que tu lui as fait, c'est bah tout. Ouais, mais là j'ai plus de vie, moi, je suis en train de mourir, là je sens que je suis faible, Poppy, Oula. je suis faible. Ouais, bah. Ouais, tu es tellement faible, tu parles chinois. J'ai la tête qui tourne. Ah, bah ouais. Mais regardez, on va faire on va devoir aller voir les UMS. Il y a du sang partout, Poppy! Comment ça? Bah oui, je saigne, qu'est-ce que tu veux, j'ai mal. C'est bon, ouais, il est assis, ouais. Ah, tu vois, l'intelligent, il est là-bas. Emmy, tu vois, il s'est assis, il est calme. Moi, j'ai eu mes règles il y a non, deux semaines. Non, Emmy est en train de faire un AVC, c'est différent. Ah oui, c'est réussi. J'aime bien tes nouvelles coupes. Ah, merci, Samy. Bon, on fait quoi? On va à la ferme. Bonne voyage, ça s'est bien passé. Non, il y a un souci, apparemment. Mais vas-y, c'est de la merde. Il nous dit, on arrive dans l'après-midi. Il a pris un billet à 1h du matin. C'est pas l'après-midi, il a confondu, ce con. Mais non, vous avez décollé à 10h. Vous avez décollé à 10h. Vous étiez censé arriver genre 3h plus tard. Mais oui, mais on a fait 15 escales. Oui, mais surtout pas 10h du matin. Décollé à 10h du soir, mais, idiot. Oui, non, mais attends. Mais surtout, il a pris le promotion sur Routier Magazine. Tu te rends compte? Douze escales. Deux voyages en train, plus deux voyages en derrière d'un camion, j'ai économisé $40 pour ta gueule, t'es malade toi? Chacun au moins! Espèce de rave! Poppy, il a toujours dit, hein, un sou c'est un sou. Hein. Et Papy, c'est un. Ah, oui. Ouais. Papy, il est radin, il a le cul serré comme le cul d'une poule. Ouais, comme que toute ta mère. Comment tu sais ça? C'est les poches, elles sont serrées comme le cul. Sa mère, elle avait pas le cul serré. Hein. Arrêtez ce Poppy, il va bientôt mourir et après on va regretter. Oui, c'est pas grave, écoute, ça nous fera une semaine de vacances. Ouais, j'avoue, il meurt jamais lui, c'est pas possible. Ouais, c'est incroyable cette histoire. On sait jamais, hein. Ouais, je te jure. Bon, du coup, ouais, attends, faudrait quand même qu'on aille à la ferme là, parce que bon, moi je voudrais savoir ce qu'il a mis dans la ferme là, l'autre con là. Je sais pas ce qu'il a foutu depuis que vous êtes parti, mais. Je sais pas, moi. On a enfermé le fiston dans la grange, il faut qu'on aille le chercher. Ah bon? Ouais, l'autre imbécile qui a dormi dans la grange, mais depuis j'ai changé le cadenas. Allez, on bouge. Bon, allez. C'est parti, hein. Oh, gros dégueulasse, va. T'as pas d'éducation ou quoi? Eh ben, je tiens bien de toi, espèce d'enculé, va. Et c'est quand l'autre imbécile. Emmy, tu vas monter, putain d'Emmy! Emmy, c'est pas monté dans le pick-up. Emmy, t'as de la chance que je me tire parce que sinon je t'aurais frappé. Bon, t'es pas capable. Et voilà, l'autre enculé de Britney m'a défoncé. Bon, Brittany, putain. Non, c'est Britney, bon, Papy. Non, Brittany, c'est. Y'a plus chaud. Descends. Ben oui, ça fume. Okay, t'imbécile okay, là. Bah, je descends, c'est bon, hein. Tu descends d'un ton, pas du tracteur ou de la benne ou de ce que tu veux, imbécile. Bah, faut préciser, Poppy, parce que je comprends pas, moi. Hein. Putain, bon, et ta cause de merde, ton taco, tu le bouges. Poppy, y'a quelqu'un derrière, t'arriveras pas, Poppy. Hein. Ah, bah, y'a Cletus qui est en train de faire un face-to-face. Ouais, non, mais là, putain, la voiture, là, c'est une catastrophe, là. Mais Poppy, tu vas où? Mais putain, je vois rien avec la fumée. Bah, faut réparer, hein. Oh, bordel, le. Ouais, faut réparer, hein. Putain, je vais te défoncer ta gueule. T'es à peine là 10 minutes, tu me pètes déjà plus les couilles que ton père. Alors que lui, il a déjà de l'effort hein, pour me casser les couilles. Britney, descend. Oh, mais c'est quoi cette affaire? Descends, Britney. Il parle à moi, Poppy, là? J'ai pas compris. Oui, il parle à toi. Là, il parle au curie. Il parle au père Maxi. Il est où? Son grand amour. Il est où le père Maxi, Poppy? Ah,
Alors Maxi, il est envoyé sur la lune, là. Enculé, baiser Whitney. Quoi? J'ai pas compris pourquoi. Il est où, père Maxi? Bah allez, j'arrive pas regarde, à le bruit. Regarde là-bas. Tu vois là-bas? Tu vois? Tu vois l'oiseau, là? L'oiseau, bah, c'est le père Maxi. Oh. Ça, c'est le père Maxi. Il s'est transformé. Bobby, il est plus là. Il est plus là. Prochaine fois que t'es tu normal, fais fumer Amy, tu lui diminues la dose, hein, parce que si le père Maxi, c'est un oiseau, je sais pas comment il a baisé ta mère. Hein. Ouais, je sais pas, il se démerde, écoute, c'est pas mon problème. Hein. Prochaine fois, tu lui charges pas trop. Oh papy, il y a les warnings qui remarchent, là. Bah, il y a pas que les warnings. Oh, bon. Hey, c'est parti. J'ai premier à être monté. Et bon, le Britney, là, merci. Allez, Poppy, dépêche-toi, on va être les derniers à la ferme, là. Ça me ferait bien mal. Ah, ils sont nombreux, là, les flics. Eh ben, ils préparent un truc. Ouais. On les broute, la police. Ouais, broute-les. Et il y a encore des gens qui viennent de passer la frontière ou je rêve? J'ai l'impression, oui. Mais c'est une... Voilà, bah à mon avis, ça se trouve, les flics ils vont faire une descente et... tous les choper. Ah peut-être, hein. Tu penses qu'on a un crime si on les dénonce? Bah écoute, avec les impôts que je paye, ça sera juste retour des choses. Il y a le repas. Bon, allez, tu me cherches à l'arrière de la benne. Oui. On dirait qu'il dort pour pas. Attends, pousse-toi, faut que j'aie un petit coup de couteau. Attention. Écartez-vous. Hop là. Ah, tu le dis plus haut de bien. Eh oui, c'est bon. Fuckface. Putain, sacré bête, hein. Oui, et c'est pour le repas de chez toi. Pourquoi, y'a un rappeur, là. Un rappeur? Et non, y'a pas de rappeur, qu'est-ce que tu me racontes? Si, c'est le pote de... De... Comment il s'appelle, là? De qui? Je le reconnais, je l'ai vu dans Closer. Ah oui? Dans Closer? C'est quoi ça, Closer? Il me dit que c'est un mec connu. Bah oui, c'est le pote de... C'est le pote de... Kenny West. Non, je le connais pas, moi, le Kenny West. C'est qui, Kenny West? Je peux faire une photo avec toi, s'il te plaît, je suis trop fan. Non, mais moi, au pire, je suis connu dans les chantiers, mais pas dans le rap. Hein. Les chantiers? Pourquoi? Tu fais quoi dans le chantier? Ben moi, je travaille le chantier, je suis le béton. Le béton? Oui, le béton. Tu connais le béton, faire non, le bâtiment? Non, je connais pas le béton, moi, je t'avoue, je suis très nul là-dessus, moi. Attends, Poppy, attends! Mais... Ah, bon, allez, bonne soirée! Bonne soirée, hein. Bon, le TABC, t'as 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Attends, Poppy, attends, Poppy! Et bon, il a réussi. Putain, Poppy, regarde, j'ai pris la manche de Kenny West sans photo. Mais c'est qui, Kenny West? J'en sais rien, Kenny Sweet Chat, là, je sais pas quoi, c'est quoi ce truc? C'est un mec qui fait du rap, là, il chante, là. C'est une chanteuse classique américaine. Et puis quand t'es fan des Nesquik, toi? Ouais, non, mais c'est une exception, Poppy. Bah non, y'a pas d'exception, t'es malade toi. C'est bizarre un peu la Britney, c'est passé quoi là? Attends, t'es sûr que c'était que des somnifères dans ton verre là, pendant le trajet là? Mais oui, non, j'ai peut-être mis un petit truc en plus. Vous ferez écouter la musique, vous allez voir, c'est trop bien. Ah non, je veux pas de ta musique là. Ouais, moi tu me laisses avec ma musique à moi, et puis c'est tout. Le reste, je m'en fous. Et du coup, on va être les derniers, hein. Bah ouais, bah oui, avec l'autre APC et son Kenny machin. Bon, c'est toi qui as mis 3 heures à réparer la voiture, Poppy, hein. Ah! Aïe! Ah! Putain! Mais bon, m'arrange. Ouais, moi, t'es garé, quoi. Je suis garé, je gênerai personne. Bon. Oh, les copains, on a vu Kenny West! Ah, vous êtes Mais non, mais c'est pas, il a commencé à faire. Mais putain, pisse pas sur ma branche! Ah putain, mais laisse-moi pisser où je veux, espèce de con! Mais va pisser contre le mur, là-bas, connard, mais pas sur ma grange! Mais je pisse où je veux, moi je te dis! Fiston! Fiston! Papa, lâche Tarzan! Oh putain! Oh, je suis comme ça! Waouh, ça va, Babylone, tu t'en sors? C'est fait combien de temps que t'es là?
Pompa, il y a un combat d'infirme là-bas. Ouais, laisse-les faire, on s'en fout. T'es content de toi, les vieux? Non, quoi, ça va, la famille. C'est pas moi qui l'ai mis dans cet état-là, hein, c'est ton fils. C'est moi, il y a mis de oula, il parle langage de Morglus, hein. T'as faim? T'as soif? Non, ça va. Ça va. T'as mangé trop de graines? Ça va. Toutes les graines. Ouais. Comment ça t'as mangé toutes les graines? Toutes les... Moi, je vais défoncer sa mère. Hop, ouais, pas touché au fiston, ouais. Oh putain, attends, comment ça se fait? Oula. Attends. Pourquoi c'est cette merde encore, là? Non, mais... Bah, une photo de merde, là. Vas-y, je prends une photo de mes pieds, là. Wow. Ah, voilà. Qu'est-ce qui... Bah elle est belle la grange, hein. Il en reste. Il a pas pris ce carton là. Ouais, non, mais tes graines à la con, j'en ai rien à foutre, mais les graines pour les poulets. Oh, putain, je sais pas, moi, vous démerdez, j'en ai rien à foutre. Oh, ça se referme la porte, ça se referme, on va rester bloqué là. Oh, barrez-vous. Ah, oh putain, la porte, elle est fermée. Sors, t'as plus le temps. Hé, hey, sortez là. Non, après, vous êtes bloqué. Pompa, j'étais mis KO par la porte. C'est pas grave. Bon, on fait quoi? Bah, il faudrait peut-être un peu du coup qu'on fait un peu un état des lieux ou quoi? Ouais, moi j'ai faim. T'as besoin de chill, moi. On a fait la répartition des chambres, viens, je vais t'expliquer. Ah oui, dis-moi. Moi j'ai faim. Ah ouais, je vois ma chambre, Poppy, je vois ma chambre. Ouais, c'est la même que l'autre fois quand t'es pas. Oh, Poppa, y'a une voiture! Bon. Qui c'est qui m'a nettoyé Pépette là? Bon, ah c'est Pépette, Poppy? Ben me dis pas que c'est Pépette, sinon je pète un câble. Ah, elle est trop belle comme ça, Poppy, elle est beaucoup plus. Ben non, elle est dégueulasse. Non, y'a pas attaque sur Pépette. Attends. Par contre, c'est compliqué à ouvrir, hein. Ben oui, du coup, j'ai rangé la clé. Oh. Mais y'a un mec qui m'a nettoyé Pépette. Oh merde. C'est pas normal ça. Y'a vraiment pas intérêt que ce soit elle. Oh, je vais péter un câble. Qu'est-ce qui se passe, papy? Il m'a nettoyé Pépette. C'est Pépette ça? Et l'on nettoyé Pépette, apparemment. Samy est tombé. Samy est tombé du plafond. J'ai bien changé Pépette. Oh merde, excuse. Tu vas avoir un problème, Britney. Pardon, c'est juste que... Casse les couilles. Putain, elle veut pas s'ouvrir cette voiture de merde. Pas ce besoin de t'en épargner. Merci. On est marre, hein, putain. Poppy, je peux conduire Pépette. On apprécie. Oui. C'est la plus belle. Regarde-moi là, ça. C'est la chambre d'ami qu'on apprécie moins, quoi. Bon, il s'est passé quoi dans le miroir, Poppy? Ça, c'est la chambre à Britney, ça. Bah, Emile est déjà au bureau. Bah, y'a pas assez de chambre pour tout. Y'a déjà 12 fois que je fais faire nettoyage de l'antivirus là avec toutes tes sites porno là, dégage. On a l'abonnement à Pornhub? Bah, non, il nous l'a fait sauter. Ah, oh bah, super. Et comment je suis ma série moi, Popo? Bah, apparemment, il nous a inscrit à Poulet Hub Magazine, je sais pas quoi là. Oui, c'est les poulets les plus chauds de la région. Ouais, exactement, ouais, bah, c'est les grosses poulettes. Wouah, putain, Poppy, c'est qui ça? C'est ta maman. C'est le moment? C'est ta maman ou c'est la tienne? Poppy? Il est perdu. Poppy
Poupi, Popa. Avec tout le monde. Poupi, Popa. Ouais. La photo de la dame avec les gros seins dans le salon, c'est maman? Oui. Non, c'est pas ta mère. Ah, parce que Tarzan, il m'a dit que c'était maman. Non, Tarzan, lui, qui en est en train de bouffer mes graines. Je crois qu'il a bouffé trop de graines. Il pue de merde. Bah, du coup, c'est Tarzan, viens là. Tarzan, c'est pas maman, qu'est-ce que tu racontes? Oh, bon, Popa, il y a un canard là-bas. Oui, mais laisse le canard. Eh, il y a un connard devant moi. Bon, du coup, comme vous le savez, quand j'étais parti, parce que du coup, on avait des voyages de affaires, on avait le dîneur du Nord. Apparemment, du coup, le vieux a encore gardé les clés, donc c'est bien, il a réussi à passer outre les impôts et puis tout ce qui s'est passé à côté. Hein. Donc, forcément, l'avantage, c'est que là, on va pouvoir faire tourner les bons steaks comme on les faisait l'ancienne. Ben, c'est bien. Il est con, lui. Mais tu fermes ta gueule, Britney, là? En train de parler. Ouais, y a des gens qui parlent, espèce d'impoli. Après, du coup, on a déposé des petites graines. J'ai lu, il y avait un petit papier, il y a marqué poser la graine au sol, féconder la graine, et puis après, ça vous donne des autres graines qu'on peut mettre dans des petits sachets pour que les gens y rigolent. Donc, du coup, il faut faire un petit trou pour pénétrer le sol, c'est ça? Je pense, hein. Écoute, il y a marqué féconder la graine. Ah, bah, je sais pas, c'est toi qui es parti faire des voyages d'affaires, c'est pas nous. Hein. Bah, elle m'a dit, moi, on peut féconder comme on fait à l'ancienne. Donc, à l'ancienne, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça comme avec maman comme ça. Oui, comme avec ta mère. Pour certains, ça va être des tout petits trous. Oui, comme toi, Britney, c'est pas grave. Mais comme toi, il y a même pas de trous. C'est pour faire toutes les graines. Il s'envoie des vannes à lui-même, c'est normal. Vous êtes jaloux. Moi, je vous broute tout sans parents. Fais pas trop le malin parce que depuis que t'as coincé l'asticot là dans la zip là. Oui, bah ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté. Ah bah, c'est sûr, il en a plus. Bah arrêtez là, vous me cassez des couilles, je suis un vrai bonhomme moi. Ouais. Oui. C'est ce que t'as toujours dit, mais on l'a jamais vu. Ok, je peux vous le montrer. Ta gueule, Britney, tais-toi. Et dernier truc, est-ce que les autres brouteurs de minou, ils sont encore là, les Mexicains, là, les mignons, là? Ah, les genres de guidons, là, les moteurs. Ouais, vraiment, t'as un petit problème. Ouais, ils sont encore là, mais ils ont bougé comparé à la dernière fois que t'étais... Eux, si on les voit, on leur casse les gueules. Let's go. On leur fait aïe, pépite. On les broute. Ouais, on les broute, ouais. On les broute, on va les brouter. Aïe, qui s'y raconte lui? Oui, c'est ça, faut dire aïe Pépito, et puis après, il faut les taper. Il est con lui. Qui ça? Comme ça. Aïe Pépito! Tu te calmes, c'est mon fiston là. Mais pourquoi? Parce que t'es à côté de moi. C'est une bonne raison. Hein. Je vais bouger moi. Britney, calme-toi. Bon, du coup, qu'est-ce que. Vous voulez qu'on fasse quoi là? Parce que bon, il y a plusieurs choses. Papa, j'ai une question. Ouais. Dis-moi, est-ce que le caravane là, tu sais, il a dit que c'était un tout-terrain. Est-ce que t'as essayé de le faire aller dans l'eau? Ben oui, j'ai le problème, tout foutu le camp. Quoi? Ouais. Mais comment tout c'est flingué. Mais ils ont dit que c'était tout-terrain. Ben justement, tout-terrain et tout flingué. Ben on va aller porter plainte. On va porter plainte à la police. Ils ont voulu nous arnaquer. Ben go, et on va porter plainte. On va pas se laisser faire. Tout-terrain, ça va pas dans l'eau. On va porter plainte. Attention. Bon, pourquoi je comprends pas, tous les véhicules sont fermés. Vas-y Samy, je peux conduire. Non, putain, bourbier. Putain, descends, enculé. M'arrête, oh, pourquoi. On va aller peu importe, on va aller où s'ouvrir. Hein. Ok. Bon, allez, bougez votre cul. Putain, ça c'est maintenant jamais. Eh Britney, monte sur la bécane. Allez, grimpe-le. Ok, allez, vas-y. Hein. Mais tu fais attention. Hein. Ouais, pas plus vite qu'à fond, t'inquiète. Voilà. On y va, quoi. Ah, on attend les autres, là. Ils viennent tous, là. Ah. Oh putain, on est frères de casque. Oui. Attends, je crois qu'ils sont en train de s'enculer derrière, putain. Ah, t'es jaloux. Bah, ça fait longtemps.
Tiens, vas-y si tu veux. Oh, je vais dans le camping-car moi aussi. Ouais, bordel. Je vais dans le camping-car moi aussi. Y'a plus de place. Putain, c'est pas possible. À droite, bordel. T'aurais dû doubler parce qu'il faut chier. Bah, il sait pas conduire. Moi j'aurais mieux fait de conduire, hein, il sait pas conduire, Clint il sait. Toi pas mieux, hein. Bah c'est juste au démarrage où je galère, mais après ça va. Ouais, ouais, y'a pas que le démarrage. Hein. C'est comme avec les fêtes, toi. Au démarrage c'est galère, mais du coup après ça suit pas. Bah ouais, mais après ça va aller. Oh là là, y'a une grosse voiture là-bas, t'as vu? Attends, je crois qu'il y a ton père, il les suit. Oh bordel, on les suit. Oh putain, vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y, double, 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 tu vas plus vite. On suit ton père, bordel. Popa, oui, où là? Popa, t'as vu la grosse voiture, Popa? Ouais, il y a un enterrement, je crois. Ouais, bah très bien. Mais attends, mais il faut qu'il vienne, le camping-car est derrière là. Non, c'est un enterrement, oui, non. T'as un. Bah, allons à l'enterrement. Bah oui, il y aura sans doute à manger gratuit, Popa. On va pas se faire remarquer, hein, c'est un policier qui est mort. Et alors? Et alors? Oui, bah, on va pas se faire remarquer. Ah bah, et si c'est un policier qui est mort, sera nickel pour porter plainte? Bah oui, il y aura des policiers. Ouais. Bah oui. Mais par contre le camping-car il suit pas. Ah si ça y est. Si si il arrive, il arrive. Il a une petite tête dans le rétro, je l'ai eu. Putain mais il trace le mieux avec sa merde. Putain j'avoue hein. Accélère, accélère hein. Je fonds. Bon par contre le camping-car on va le perdre hein. Là y'a moyen. Tant pis pour eux. Popa! Attends, mais de toute façon, je crois qu'ils sont là à gauche, là, le convoi. Popa! C'est là, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche, vas-y, tourne, ouais, ouais, ouais. Popa! Ah, mais en fait, ça. C'est. Vas-y, coupe-toi, te coupe sur le côté, là. Non, quand même, on respecte, y'a un enterrement, quand même. Popa, on a perdu le camping-car! Britney. On a perdu le camping-car! Oui, mais oui, va le rechercher, t'as un ouais, bureau, allez, vas-y. Allez chercher le camping-car, mais hey, respecte les lampes, trop bas. Mais oui, je sais. Il est en bas. Va y avoir la bouffe par gratuite. Contre, gaffe, les gars, c'est un enterrement. Va y avoir la bouffe gratuite, les gars. Alors, on est un peu sérieux. La police. Ah bah, faut y aller. Hein. Oula, j'ai ma tête qui part en couille, là. Ah bah, tant pis pour toi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le médicament de l'avion là qui. Oula. Le médicament de l'avion qui fait effet. Waouh, oui, j'ai. Voilà. Waouh, la voiture. Waouh. On fait la queue pour porter plainte, oui, mais non, on fait la queue pour l'enterrement du con. Et c'est qui est mort? Mais putain, c'est un policier, espèce de gland, tais-toi. Il s'appelle comment le policier? Tu fermes ta gueule. Ok, Popo. Ah, y'a le pote de Kenny West. Mais putain, mais tais-toi. Oula, Popo, je crois. Va avec ton grand-père derrière. Ton grand-père, il va être monitoré. Va avec ton grand-père. Dépêche-toi. Non, Popo, je veux pas. Dépêche-toi, tu vas avec ton grand-père et tu tiens la main à ton grand-père. C'est pas possible. Oui, mais non, Popo, il se gratte les couilles, j'ai pas envie, moi. Mais tais-toi, bonne bordel. Un peu de respect. Non, mais on va pas aller porter plainte dans une église, putain, les gars. Moi, je pense que pour aller porter plainte, il aurait bien fallu aller au commissariat. Mais ferme tes gueules. T'es fou. Putain, Britney, ferme-le. Bon, t'en penses quoi, ton Clétus? Et bah, Clétus. Comment tu veux porter plainte si tous les Popa, Popa, il y a deux Clétus. Popa, il y a deux Clétus, regarde. Il y a. Aïe. Oh. T'es cher, ferme ta gueule. Bien joué, Amy. Oh. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, Samy? J'ai été relevé là, mais bon, attends. Ah putain. Bah Samy. Manque de sucre. Samy. J'ai un petit manque de sucre. Ah bah oui, mais. Voilà. C'est la mieux. Bon, là, on y va. Je lâche un petit peu.
Ah oui, bon courage du coup. Pas de bruit les gars, on respecte. Je demande à tous les agents de se mettre au salut s'il vous plaît. Dans respect, y'a paix. Il y a rien à manger ici. Mange pas après, tais-toi. Poupa. Quoi? T'as toujours dit que les flics c'est des cons, pourquoi on est au... Mais tu fermes ta gueule. Hey, tu te tais, je te jure, je te mets au sol. Ça doit être dur de se mettre au garde à vous et qu'il y a un truc sur la nez. Comment tu fais pour te gratter les fesses quand tu regardes vous? C'est bientôt fini, Poupa? Et tu te tais ou tu vas derrière. Respecte les morts, Britney, putain. Bah j'ai rien dit pour pas. C'est un peu long quand même. Ah, j'ai faim. Oh putain, j'ai vous voulez pas la fermer? Merci, voilà Britney, ta gueule. Adam fait coucou. Poupa, j'ai une mouche qui m'emmerde. Putain, j'en pouvais plus. C'est un petit peu bien. C'est bon. Oui. Yeah, man. J'en ai fait pas américain. Pour l'enterrement de 114 Roy Shaw. Donc la cérémonie va commencer. Dans un premier temps, le Major 148 va réaliser l'End of Watch du début. L'Ender quoi? 114. À vous. J'avançais. À l'attention de toutes les unités du 14 mars 2024. Lincoln 114, Lincoln 114, Lincoln 114, Lincoln 114. Centrale pour le shérif député Roy Shaw, matricule 114, du Blaine County Sheriff Office. Lincoln 114, no response. 10-10, end of watch du shérif député Roy Shaw, matricule 88-39-114, sous le matricule 114. Le 14 mars 2024, vous avez répondu à votre dernier appel et votre sacrifice est terminé à tout jamais. Merci infiniment pour le travail que vous avez fourni au comté de Blaine, sa communauté, ses agences et tous les États-Unis d'Amérique. Député Roy Shaw, vous avez été un véritable leader, un protecteur et un modèle d'excellence. Votre dévouement sans faille envers la sécurité et la justice a profondément marqué notre département et notre communauté. Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un héros parmi nous, un homme d'honneur et de courage. Député Roy Shaw, votre voix résonnait avec autorité, votre présence inspirait le respect et votre détermination était sans égale. Vous étiez un pilier de force et un guide pour nous tous. Ça va, Poupi? Oui. Bonjour, Britney. Cletus? Anna? Moi, c'est pas Cletus, c'est Marty Grenil. Je viens, Marty, mais si, avant que tu partes en voyage, là, pendant plusieurs temps, Marty Grenil. Ah, et quand oui. Tu tombes l'hélicoptère. Oui, c'est ça. ça va, Marty? Ça va. Et je travaille sur un prototype un prototype d'alcool de l'autre, vous l'écoutez? Ah ouais! Mais ça tabasse sa mère, hein! Oh vas-y! Et j'ai mis ça dans une bière, hein, mais vous dites à personne, hein, c'est pas une vraie bière! Ok, vas-y! Hop!
Oh là là, trop bien pour Pli, vas-y, on boit ça. C'est l'alcool de l'autre. Oh là. Non mais c'est ce que... Attends, non mais... Oh là, oh là. Oui, c'est 115 degrés une bouteille. Oh là, oh là, oh. Oui, c'est fabriqué sur maison, hein. Oh là. Du coup d'asperges derrière, c'est quoi? Oh là. C'est la pisse d'âne qu'on a récupérée, qu'on avait macérée. Oh là. Pourquoi? Quoi? Opi m'a fait boire de la bière à 75%, je sens. Pourquoi je suis caché? Je suis caché. Et Clint? Ouais. Va voir le Honneur. Monsieur là-bas. Le courage et le don de soi. Hey, tu l'en vas. Non, putain. J'attrape par l'oreille. Qu'est-ce qui t'arrive, Whitney? Il a bu. Les gars, allez voir le monsieur. Tais-toi, Whitney. Allez voir le. Allez voir le sosie. Vocation noble, peut-être la plus noble. Il donne du pipi d'âne à boire. Accepter les risques et d'aller au-delà du danger. Ouh. La police est une histoire. C'est pas du pipi d'âne, c'est l'alcool de l'autre. Et attends. Ah, je suis allergique à la loutre. Mais ça sent pas parce qu'elle est morte. Malheureusement, mais... travailler au sein des forces de l'ordre n'est pas tout le temps un synonyme de. Y'a quelqu'un qui me fait. Voilà ton cochon, et vite on se casse. Être agent du BCSO ou du LSPD, c'est se battre tous les jours. J'ai envie de péter. S'effondrer et se relever. Et tout là pour lutter contre la criminalité grandissante. J'ai pété. Amen. La criminalité qui nous pousse chaque jour à redoubler de vigilance et de moyens pour lutter contre elle. Un bamboledo, bamboledo. Mais qu'est-ce qu'il y a des noirs qui arrivent? Certains agents se battent pour s'assurer. Roy était de ses agents. Quelqu'un qui était capable de se salir les mains. Il y a le cochon brigué qui se fait violer. Hein, quoi qui. Quoi? Quoi? Oh là, j'ai ma tête qui va exploser. Oh là. Oh là là, il y a la moto de police. Non. Poppy. Il y a la moto de police, on la prend. Non. Britney, monte dans le camping-car. Monte dans le camping-car parce qu'il y a quelqu'un qui vole ton cochon. Il y a fermé. Bah j'arrive pas à ouvrir, putain. Bah j'ai la clé qui bug. Non, t'as laissé la clé dedans. Arrête d'ouvrir en même temps, Brubéry. Bon, Samy, pourquoi t'es déguisé en sadomaso? Il a laissé la clé dedans, c'est pas possible. Parce que je sais que ça te plaît. On peut peut-être prendre une voiture sur... C'est bon. Ouais, je pense que c'est la piste de la clé. C'est moi devant. C'est pas toi, c'est moi. Je crois qu'il y a Sean, il est resté là-bas. Il y a des photos toutes nues de filles toutes nues derrière pour Clint, t'as vu? Ouais. Il y a même ça là, t'as vu? Ouais, c'est vraiment ouais, ça. Mais... Eh, touchez pas mes affaires. Non, je sais pas ce qui m'a fait boire l'autre là, quoi, mais. Du coup, là on va où les gars? Faut aller porter plainte, hein. Et c'est où qu'on porte plainte? Bon, je sais pas, faut voir avec Pompa et Papi et Poppy, hein. Bah, ils sont partis où, bordel? Ils ont dit qu'on allait manger. On va manger où? Bah, je sais pas, ils ont dit on va manger après, et quand on part, et après ils sont partis. Bah, il faut aller buter un sanglier, alors. Par contre, vous avez pas trouvé que c'était chiant quand même?
Oh, c'était horrible. C'était lent et puis il n'y avait même pas à manger. Bah oui, il y allait. Bah, le service. Britney, tu nous as dit, Britney, il y a à manger, il n'y avait pas à manger. Bah, moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais je vais mettre une sale note sur. Tu l'as dit, c'est toi, tu l'as dit, t'as dit à manger. Bah, y'a l'autre qui appelle les vieux là, savoir où on va. C'est Popa là qui m'a dit ça là. Attends, j'appelle Popa. Ouais, moi j'ai pas le numéro encore. Quelqu'un qui a faim ? Ouais. J'ai faim. Oh, Popa, faut aller où là ? Ce nous on est perdu là. La caravane de Clint n'avance pas. On a dit poste de police du sud parce que le poste de police du nord ils sont fermés. Avec. Bah voilà, c'est ce que je vous ai dit, bande de. Bande de. Coupé 1. Faut aller à la police du sud. La police du sud ? Mais c'est où ça ? Moi je connais pas. Hein. Oh là là, attends, je te mets le PS. Ouais, vas-y. Et je crois qu'on a oublié Sean là-bas. On s'en bat les couilles, hein. Ouais. Il va voler de liane en liane, t'inquiète pas. Ça va mieux, mais maintenant j'ai soif. Bah c'est où là ? Il y a qu'une canette, Buck. On va voir avec Papy et Bobby. Papy, il m'a tapé. Garde-la, Clétus, garde-la. Papy, il m'a tapé l'autre fois quand j'ai demandé à boire. Alors on va demander à Bobby. Oui. Voilà Clint, je t'ai mis le GPS Clint. Ouais parfait, merci ouais. D'ailleurs il est le vieux, il est par ma caisse. Oui, il est vieux, il est loin. On va où ? Ben on va chez les flics apparemment. Bah oui, je vous l'ai dit, on va chez la police. On était déjà avec sud. La police là. Ouais non mais là c'est la police du Nord ça. Ouais, je m'arrête. Merci. Je vais appeler Mikado là, je vais aller chercher le fiston. Allez, à plus. Vas-y, bride des rondes. Ah bah ok. Mais avec ta caravane, on va y arriver demain en ville. Ouais ben bah, tu veux pas aller derrière pour pousser peut-être ? Bah non mais demain, si tu veux. Toujours pas de zizi, Britney. Moi ta gueule, bien sûr que j'en ai un. Casser les couilles là. Britney, il a plus de zizi. Bah, je vous parle même plus, je vous montrerai. Je vais tous vous brouter un peu, vous allez rien comprendre. Nous brouter, mais nous on a des zizi, nous. Non, mais toi, je sais pas ce que t'as, toi, mais. Oh, je suis même pas sûr que tu fasses partie de la famille, toi. Ah, t'es pas méchant avec mon frère Clétus. Ah, zizi, ça se broute pas. Ouais, oh, bah ça se voit que tu t'es jamais fait brouter, ouais. Non. C'est l'herbe qui se fait brouter, c'est les vaches. Oui. Vous comprenez rien, vous êtes pas des vrais grés, vous, hein. Non. Ah, je savais. Des demi-grés. Oui. Demi, mon cul, ouais. Non. Avec ta veste de biker, là. Pas passer, merle. Oui. Non, merle. Merle, c'est pas ton papa. Si, merle, c'est notre papa, il t'a rien à dire, quelqu'un. Tu vas voir quand il va arriver, il va te le dire. Bah merde, il encule que le tracteur, donc Bah si c'est comme ça, je vais le dire à papa. Non, c'est parce que s'il fait avec le tracteur, c'est parce qu'il était triste, parce que la maman de Clétus, elle est partie. Et après, il a trouvé une autre maman, et moi je suis arrivé. Bien sûr, n'importe quoi. Si, c'est vrai d'abord. Non, vous avez pas de maman en fait. En tout cas, nous, on a toujours une bite. Bah, moi, j'ai une grosse bite aussi, hein. Non. Bah, si. Ah, non. Non, parce qu'elle est coincée dans la fermeture. Mais ça, c'était il y a deux semaines, là. Ça a bien saigné, maintenant, ça va mieux. Moi, je suis un guerrier, je saigne de la bite. Ah, attendez, bah, d'ailleurs, Clétus... Attends, il y a mon téléphone qui sonne. Sa mère, c'est ta mère, je sais pas si t'es au courant. Allô ? Ouais, vous en êtes où ? Ah bah là on arrive demain matin nous hein là on arrive en ville là. Ok ça va, bah on vous attend au PDP alors. Ah mais y'a les flics qui sont là. Ah bah y'a la police à l'hôpital. Et pas chez DPD hein. Au PDP j'ai dit. Vous êtes où vous ? Eh ouais bah au PDP. Au PDP ? Mais ouais. Pourquoi tu m'insultes là ce de bâtard ? Mais j'ai pas dit que t'étais un PD bordel. Bah ils sont par là ou quoi ? C'est bon, il m'a cassé les couilles. Ils sont là. J'aurais plus... Je me garde.
Alors Jefferson, tu m'insultes encore une fois, je te broute hein. Oh et Britney, tais-toi en étant un agent de la police. Arrête de vouloir brouter tout le monde. Bah, la police, ils sont à l'hôpital là, la police sont à l'hôpital. Oui, depuis que tu l'as compris dans l'intermédiaire. Bah, à l'hôpital, putain, mais ils m'ont dit qu'ils arrivaient. C'est qui voulait boire aussi? Et moi, c'est Amy. Bah, moi, je voulais boire, mais ouais, du coup, je veux pas. Ah, merci beaucoup. Ça va, j'ai pas à boire pour tout le monde, par contre, il va respecter. Popa, y'a un agent qui nous espionne là dans sa voiture. Mais c'est pas un agent, je suis déjà. Si, je vais t'en donner une. Bonjour. Oui. Non, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, monsieur. Ouais, laissez-nous traîner. On n'a pas d'argent. Ton collègue, il s'est fait écraser. Votre collègue, il a pris cher. Ton collègue. On a une question, vous avez acheté où votre camping? C'est des magiciens, Popa, c'est des magiciens. Là-bas, au truc, là, comment dire, au concessionnaire, oui. Ah, y'en a? Bah oui. Bah oui. C'est quoi, mais il jure sur mémoire, y'en a? C'est Journi, oui. Popa, il a deux zizi sur le torse. Ouais, c'est normal. C'est dans les vannes. Oui. Ouais, il est catégorisé comme van, je crois. Journi, ouais. Maman, viens, on y va tout de suite. On y va tout de suite, franchement, il est michaud. Ouais, ils savent reconnaître des véhicules de qualité. Ouah, Clit, t'es un influenceur. Pourquoi? Bah, carrément, j'inspire les gens. Je sais pas. Et sa veste, elle était toute déchirée. Décision, les tacos. Je pense que c'est des magiciens. On est en train de porter. Pourquoi? Mais tu le voles pas, mon chien? Ouais, il charge des caravanes, ça va digiter tous. Fais gaffe, Clint. Ça, il va brûler là. Et Clint, il va te voler ta caravane. Non, non, elle est fermée, Ah, ils ont flippé. Hein. Oh yeah, boy. Bon, attention, ils prenaient le caravane, on leur sautait dessus. Ah, bah, on les broutait. Du coup, là, du temps où t'étais pas là, le vieux, là, il m'a laissé un peu gérer le diner, là. Oui. Alors, on a un petit jeune, là, qui j'ai embauché en intérim, il voudrait être embauché. Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas, c'est qui. Là j'ai plus son nom, attends je vais regarder ça. Tu diras de venir, on en discutera quoi. Moi je peux pas te dire comme ça là, faut que tu me le présentes, faut que je vois qui c'est quoi. Ouais, puis faudra que tu regardes un peu dans la paperasse. Oh Poppy, y'a personne là. Mais tu sors de la pute, bonne. Britney viens. Mais, je te chope par l'oreille. Hop, Poppy m'attends, mais je voulais le visiter moi. Non, tu sors, tu sors. C'est Malcolm. Tu sors. Je connais pas, on verra. Écoute, tu regarderas un peu. Bon, ils sont où les agents de police là? J'ai déjà appelé. Ouais, je vais aller voir si la caravane a été fermée. Oh putain, Britney, t'as failli me tomber dessus, bordel. Il est où les tues? Je t'ai feinté, Poppy. Je t'ai feinté. Il est parti faire une sieste, il a descendu plus vite que ce que j'aurais cru, c'est bien. Et oui, t'as vu? Alors, c'est Jace. Jace Rivera. Bah, on regardera, écoute, je vois pas qui c'est, il va falloir qu'on voit, ouais. Ouais, comme ça, on voit. Parce qu'on a un peu du monde là, si on embauche, ça fera du bien au dingue. Ouais. Et du coup, tu m'as appelé le LSPD là? Eh, j'ai envoyé un truc. J'ai dit qu'on était à l'accueil quand on les attendait. Je l'ai déjà fait ça, faut les appeler. Attends, y'a un hélicoptère, je crois. Je vais avec l'hélico, ouais. Mais putain, j'ai tout barré avec les hélicos. Popa, c'est de la bonne ça. Regarde, oh. T'as trouvé ça où encore? Oh, bah c'était là-haut, dans un tiroir du. Oh là là, elle est bonne. Oh. De merde. Mais Clint, tu fais quoi, là? Bah, je regardais ce qu'il y avait derrière. Curiosité mal placée. Il arrive, il est en train de rentrer, je crois. Bah attends, enfin. Moi, si Clint, il y va, moi je veux y aller aussi, hein. Mais non, ça c'est pas la police, les ambulanciers. Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est pour porter Clint, plainte. Oui bonjour. Vous voulez porter plainte pourquoi? Je connais quelqu'un, il a une sale tête et. Ouais. Tu gênes, je crois. La police elle voulait passer. Comment ça? Elle voulait passer où? Comment ça la police? Je sais pas, elle a klaxonné avec le 4x4. Oh putain, qu'est-ce que c'est pas... Mais c'est pas la police, c'est les ambulanciers. Mais il est con, lui, je vous dis, il fait pas partie de la famille, lui, il rend trop con. Avec sa veste en jean de merde. Je crois qu'on a un souci. Oui, c'est quoi le souci? C'est que Sean Tarzan, il a gentiment volé le véhicule de Weasel News. Oui. Comment tu... Bobby. Oh, trop bien!
T'as fait quoi avec ça? Mais tu sais pas le tien. Voilà, c'est bon. C'est non, pourquoi j'ai caché le van et... Alors, je veux bien, mais si vous parlez tous en même temps, ça va être compliqué de vous comprendre. Mais c'est Tarzan parler en premier. Les gars, vous fermez tous vos gueules sauf celui qui doit parler. Ouais, c'est Tarzan qui parle en premier, là. Je disais qu'il est trouvé un véhicule qui appartient au Wizard News. Je me suis dit que j'allais vous le ramener parce qu'il était au milieu de l'époque. Très bien, et le véhicule, il est où, là, actuellement? Je l'avais laissé là. Il est caché. Ouais. Il est où? J'ai vu des gens qui avaient fait un peu trop d'UV, qui ont pris le fourgon et ils l'ont mis là-bas sur les rails. Pardon? Mais c'est une blague. Il y avait deux tacos qui tournaient, ils ont fait ça sérieusement? Il était torse nu, je crois. Les gars, il y a peut-être un danger. Bah attendez, je vais te baiser. Non mais c'était moi, mais je voulais protéger en mode c'était pas nous. C'est pour ça que je l'ai emmené là-bas. Mais oui, mais c'est 20 minutes qu'on attend la police, on est en train et tu l'envoies là-bas. Attendez, il y a Samy qui m'appelle. Oh putain. Oui, Samy. Allez, ouais, mais oui, vous êtes où là? Bah là, on est avec ton trisomique d'office là, c'est n'importe quoi là. On va se faire. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te reconnais. Oh, t'es où, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me frappes? T'as dit quoi, Britney, au téléphone pour qu'il te tape? Il a dit trisomique d'office là. C'est vrai que Tarzan, il est pas. Enfin, il est. Hein. Putain, mais vous êtes où? Vas-y, dis-moi où t'es, j'arrive. Bah, on est à la police du Sud. Toi aussi, t'es un trésor. Oh putain, je vous fous tous des claques, allez, j'arrive. Mais c'est ton fils qui nous fout dans la merde. J'ai rien compris, à quel moment. Y'a pas de soucis. Est-ce que j'avais une petite plume? Un instant, je regarde ça. Par contre, vous savez que voler. En soi, c'est considéré comme du vol, hein, ce que vous avez fait, malgré que ce soit une bonne action. Ah, mais pas du tout. Non, c'est pas lui qui l'a volé, c'est les tacos. Moi, je vous ai ramené. Non, oui. Lui, il l'a ramené ici, mais ceux qui l'ont volé après, c'est les tacos qui tournaient autour des véhicules. Ouais, je l'entends, mais comme dit, le fait d'avoir ramené le véhicule. Le fait d'avoir ramené le véhicule ici, c'est considéré comme du vol. Alors, ça, c'est n'importe quoi, parce qu'on voit des gens conduire avec des camions qui remorquent des voitures et c'est pas des voleurs. Hein. Mais si je les ramène à sa place, c'est plus du vol. Parce qu'il y a des tacos qui ont volé. Vous appelez les services directement ou la police, et à partir de là, c'est nous qui interviendrons sur ce. Mais on a plus de crédit, monsieur, on a plus de crédit, ça coûte cher, on a plus d'argent. Ça, je peux m'arranger. Est-ce que si je les ramène à sa place, c'est plus du vol? Non, là, trop tard, je vais le garder le véhicule. D'accord, et du coup, attendez, parce que moi j'ai une autre chose. Dites-moi. Et Tarzan, non, y'a pas de prime là pour ramener le Weasel News. Ça va, je donnerai un biscuit tout à l'heure. Ouais, tu donneras un biscuit pour chien, là, c'est bon. Bah, si, toi. Du coup, je t'explique. On est allé acheter des caravanes. D'accord. Et en fait, on nous a dit, c'est tout terrain. Donc, jusque-là, ok. Vous êtes d'accord? Oui. Du coup, on est allé faire un casse. Sauf que quand on s'est fait courser par la police, on est allé du coup dans l'eau. Et ben, le véhicule il marchait plus. Il est pas tout terrain. C'est des arnaqueurs, on veut porter plainte. Donc on veut porter plainte contre le conseil. C'est lui qui a volé, C'est lui qui a volé, papa, je crois. Comment ça vous avez fait un casse? Let's quick. Bah on a cassé quoi. Vous avez cassé quoi? Bah un truc, mais ça va, ça c'est bon, c'est fait. Nous c'est le truc mais d'après. Y'a prescription, monsieur, là-dessus, hein. Ça s'est bien passé il y a un petit moment déjà. Après, pour le véhicule tout terrain, bah, si c'est pas tout terrain, c'est avec les concessions hein, qu'il faut traiter, mais c'est pas avec nous. Justement, on va porter plainte contre l'association. Bah oui, ils ont menti. Ah, mais c'est la publicité mensongère, ça. Mais j'ai ramené le véhicule, c'est pas du tout terrain. Mais je l'ai pas volé. Pourtant, dans James Bond, ça marche. Hein. Oui. On l'a déjà vu, James Bond, avec un véhicule, il est sur la terre. Et après, il est sur l'eau, c'est comme ça qu'il échappe aux méchants. Et bah, nous, on a pas pu échapper aux méchants. Mais du coup, on comprend pas. C'est du coup, normalement, on se dit que c'est normal, quoi. C'est tout terrain. Ouais, bien sûr, laissez-moi un instant. Oui. Les gars, c'est mon anniversaire que vous appelez les street healers. Putain, mais ils s'en foutent, en fait. Ils sont pas les couilles, quoi. Je sais pas. De toute façon, on lâchera pas. Non. Et la justice aux Américains. La justice aux Américains. Et les copains. Le voleur, il est là-bas. Regardez, il est au comptoir de la police. Ah, il vient se dénoncer, c'est bien. C'est bien. Enfin, c'est bien. On va le dire à la police. Ah, mais ça se voit que c'est lui. Moi, je veux dire à la police. Ouais. Messieurs, le voleur du Weasel News, il est dans votre bureau au comptoir. On va aller voir avec monsieur. Ton fin dans le. Ah, il est de retour.
Je leur ai dit, ils ont dit qu'ils vont aller l'embarquer. On va le faire, on va leur faire niquer. Ah, très bien, très bien. Parfait. Retour à la frontière, vite. Il faut l'informer le monsieur qu'il y a des policiers derrière lui. Oui, oui. Bon, par contre, ils vont revenir avec leur affaire. C'est quoi ce petit truc de tapette que t'as accroché à ton jogging là? Bah, c'est mon portefeuille, c'est là-dedans que j'ai tous mes trucs là. Ouais, vas-y, ferme ta gueule là. Une petite capote que tu mets à ta fausse bite. Oh! Aïe, y'a pas un terme, j'ai déjà dit d'arrêter d'être grossier, bordel de putain de merde. Pas de Dizzy était par terre. Mais c'est Amy là, l'émigré de merde là qui. Calme-toi là. Ça sent le vinaigre. Bah oui, mais Amy, c'est Amy là qui me fait ça là. Ouais, là c'est mieux. Bah il s'appelle Amy, émigré, c'est pas ma faute s'il a un nom de merde. Hein. Ouais, bah ça j'avais pas pensé en lui donnant le nom, mais bon. Bah oui, bah Pompi, tu penses à une formulation de phrase quand. Bah faut l'appeler Céline maintenant. Ah ouais, l'appeler Céline, regarde, c'est marqué sur son jogging. Bon, Céline, arrête de pointer les gens du doigt, c'est dégueulasse. Bah, c'est toi qu'on va changer de nom, puisqu'on peut pas t'appeler par nom pour nos prénoms, donc faudrait qu'on le change Céline, de nom. Ta gueule. Céline, tu nettoies le sol là. C'est le sang du zizi. Non mais je vous emmerde tous, hein, je vous broute à continuer à faire comme ça. Moi je vais partir de la famille. Non mais c'est marrant parce que bon, ton petit jogging blanc là, c'est devenu le drapeau du Japon pendant un instant. Oh bah, je vais te japoniser quelque chose, moi aussi tu vas au pompier. Ouais, je vais te foutre un Hiroshima dans ta gueule, je vais retourner vite au sol. Bon, ils font quoi par contre les policiers là, parce qu'on veut les porter plainte là, et puis ils sont partis. Mais c'est même pas un policier en bleu, c'est un stripteaseur, ils sont en train de... Moi, je suis en pantalon blanc, je suis pas sûr que c'est un flic, mais l'autre il a l'air d'être quand même bien. Bah oui, il y a l'hélico au pire, hein, pour le... Il faut pas oublier de leur donner beaucoup sa condoléance. Bah toi faut vraiment que tu fasses un truc et on t'entend pas, on te comprend pas. C'est un chéri. Oh les gars, vous prenez rien, il y a les shérifs et il y a les autres. Mais là c'est des autres. Eh c'est bon, il y a monsieur aux cheveux bleus là, faut lui demander là, c'est pas normal là, faut qu'il... Il est brouillé les coques, c'est pareil. Ouais, ouais. Alors, messieurs. Oui. Bon, il y en a qu'un seul qui parle, c'est Bobby. Allez hop. Oui c'est moi là, c'est moi là devant vous là. Ok, alors dites-moi. Alors. On peut se présenter d'abord hein. Non, ferme ta gueule Britney. Britney, tu fermes ta gueule. La possibilité d'avoir une prime. Oui, taisez-vous. Va demander la prime à ton père. Oui, vas-y. Donc du coup, on est allé au concessionnaire, on est allé acheter des caravanes. On nous a dit que c'est du tout terrain, d'accord? Et là, vous me suivez. Ouais. Et du coup, on est allé faire un casse, et qu'on a voulu semer la police, mais en fait, on est allé dans l'eau avec les caravanes. Et les caravanes, ils ont pris l'eau. C'est pas des tout terrain, c'est des voleurs. Normalement, c'est du tout terrain, ça va aussi dans l'eau. Non. Et du coup, bah si, tout terrain. C'est tout terrain. Et c'est marqué, c'est publicité mensongère, on veut porter plainte contre le concessionnaire. Mais l'eau, la mer... Oui, c'est un terrain. C'est un terrain. Le monsieur, il te dit tout terrain. Tout comme tout le monde. Terrain comme terrain. Le terrain, tout terrain à toi. Ok, oui. Ça je te comprends. Oui. Voilà, donc vous comprenez qu'on est emmerdé. Bah oui, parce que du coup on s'est fait choper. Bien sûr. Bah oui, mais du coup c'était dans l'eau. Et après le truc il marchait plus. Viens deux secondes s'il te plaît. C'était de la fausse publicité. Quoi, tu m'appelais? J'arrive, monsieur. Ah mais c'est pas possible. Alors on va pas y arriver 06, hein. Si tu peux gérer le conflit s'il te plaît. 06, c'est un drôle de prénom ça monsieur. Moi c'est Britney. Ah c'est mon matricule. Ah. Moi c'est Britney parce qu'en fait... Lui il l'a choisi que toi tu copies. Moi quand je suis né, Pompa il pensait que j'étais une fille. Donc il m'a appelé Britney. En fait, on s'est rendu compte que j'étais un garçon, mais les papiers d'état civil étaient faits. Et donc, du coup, je m'appelle Britney, mais je suis un garçon, hein, j'ai un zizi, je peux vous montrer si vous voulez. Non, c'est une femme. Ça va aller. C'est une femme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Attendez, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, on a acheté des caravanes au concessionnaire. Il nous a dit que c'est du tout terrain. Je vais vous montrer comment ça casse les couilles. On a fait un braquage. Alors, on est parti, on s'est fait courser par la police. Et du coup, on est dans l'eau avec les caravanes. Mais sauf que les caravanes, elles flottaient pas. Et du coup, c'est pas du tout terrain. Du coup, on portait plainte. C'est du tout terrain moins un et c'était pas mis sur l'annonce. Alors, attendez, est-ce qu'on peut faire une pause pour que je prouve que je suis un garçon? Oui, mais tout terrain. Non, mais on veut pas voir. T'as pas d'Izzy. Tout terrain. Donc, tout terrain. Si vous mettez foutu, je vous mets en cellule pour exhibitionnisme. Quoi? T'es pas capable. Eh oui. Exi quoi? T'es pas capable de te mettre tout nu. Il a dit pour zizi sionniste, c'est-à-dire que t'es un zizi.
Céline, Céline. Ah, j'ai un zizi, on est d'accord. Ouais, vas-y, faites ça, Clément. C'est juste mes tout nus. Non, t'es d'or. Faites ça et cours dans la rue. 9-9, je t'ai. Vas-y, vas-y, avec lui. Oui, Britney. Avec lui, Britney. Monsieur Vénac, moi, s'il vous plaît. Lequel ? Allez, bonne soirée. Bah, tous, il est derrière. Allez, monsieur, il a dit monsieur. On y va tous. Ah oui, monsieur Leroux. Non, je suis là de spécial, lui. Leroux. Expliquez là ce que vous avez fait ici, là. Il a fait pipi. Il avait envie. D'accord. Bah oui. Vous savez que c'est interdit. Comment ça, c'est interdit ? C'est plus que dans la salopette. Vos élèves montent. Vous avez une caravane juste en face. Bah oui, mais en fait, la caravane, elles sont bouchées, les chiens. Bah oui, en plus, elle est bouchée, c'est pas tout terrain. Hein. Et papy, il a dit quand on a envie, on fait pipi. D'accord. Et surtout, faut pas tout, oui. Tout jeter, faut quand arroser les plantes. Mais en soi, vous venez d'uriner sur un poste de police. Mais non, il a uriné pour une plante au-dessus, là. C'est dehors, c'est dehors. Ça reste à la propriété. C'est pour l'écologie. Vous avez des toilettes à l'intérieur ? Non. Vous avez pas de toilettes ? Comment vous faites pour faire pipi ? Et vous faites tout ça, oui. Faites pipi où ? Il y a des toilettes. Je pense qu'ils le font dans le couloir. Ah ben voilà, du coup vous avez des toilettes. Oui. Calme-toi, je peux aller faire pipi. Ce qui fait un accident spécifique. Oui, je peux aller faire pipi. Pourquoi ? Ça va, les clitus, ça va, calme-toi. Parce que c'est un endroit réservé à la police. Ben oui, mais vous êtes gentil, vous m'envoyez. Alors, on est obligé de faire pipi par terre alors si on peut pas y aller, y'a pas de toilettes. Non, je peux pas venir. Vous avez un camping-car, vous avez des restaurants en face. Ils sont bouchés, le camping-car, il est bouché. Moi, je pense que c'est un leurre pour pas nous rembourser notre, pour pas prendre notre plainte. Hein. Ouais, moi je pense qu'il veut pas prendre notre plainte parce qu'il est raciste. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc on va poser deux plaintes. Une plainte pour le camping-car et une plainte pour racial. Racisme. Et moi, je porte une troisième plainte pour cheveux bleus. Ouais, je suis d'accord. C'est bon, je souhaite. Étant donné qu'on sera en conflit, effectivement, je vais pas pouvoir prendre votre plainte. Donc si vous voulez porter plainte, je vous laisserai vous rapprocher du BCSO. Du BC quoi ? Ils sont plus efficaces quand même. Quoi ? Non mais en fait, j'ai compris. Si vous voulez porter plainte contre moi. En fait, ici, j'ai compris. C'est pas un poste de police. Hein. Non, en fait, ici, c'est la Comédie Centrale. Tout à fait. Il fait un peu chaud là, regarde. Il fait chaud ou ça ? Ah mais je sais pas, il fait chaud, regarde, les gens ils sont tous bronzés là, c'est bizarre. Ah putain de merde. S'il y a pas pour nous là. Citron pressé. Alors, en plus, je vous ai dit que le monsieur qui a volé le Weasel News, il était à l'intérieur et personne n'est allé le voir. Il est en train de parler, là, tranquille à vos agents, tout va bien. Bah alors, sauf que j'ai mon collègue qui a appelé le Weasel News ne souhaitait pas porter plainte. Donc on n'a pas de raison d'arrêter la suite. C'est vraiment des petites bites. Et bah tu sais quoi, on reprend le véhicule, il est à nous maintenant. Voilà. Bah non, étant donné qu'il n'est pas où, non. Parce que là, du coup, ça sera un flagrant délit. Whitney, prends le véhicule et barre-toi. On se casse. Non, monsieur. Putain, Britney. Il est con. Non, les gars, on prend pas le Weasel News. Céline, arrête. Mais Céline, tu sais... Poupa Poupa. Pourquoi Mais qu'est-ce que vous faites, le Céline? Est-ce que vous venez de récupérer un véhicule qui n'est pas à vous, flagrant délit, et destruction de biens publics? Bah Poupa, c'est papa qui m'a dit de le faire. Arrêtez, vous allez l'exciter. C'est papa qui m'a dit de le faire. Monsieur, on peut négocier. Mais il a mis les menottes, le Céline, en fait pas ça. On peut négocier. Poupa, je t'avais dit que c'était un stripteaser, il a les menottes. On lui cache la gueule tous ensemble. Non. Et on l'amène à l'hôpital. Oui. Allez. Non, présentez vos excuses. Je me donne 5 dollars. Ah, présente tes excuses. Monsieur Lachon, je te donne 5 dollars et c'est ce qui se passe. Moi, j'ai écouté mon papa, c'est ce qui se passe. Tarzan, ta gueule. Oui, toi, Tarzan, va niquer un singe chimpanzé, fais pas chier. Dis pardon, pardon. Pardon, boîte aux lettres. Il a dit pardon, boîte aux lettres. Eh, hey, t'as défoncé le mur aussi. Et le mur aussi. Pardon, le mur. Alors, par contre, je tiens à signaler que. Ouais, t'as la voiture aussi. Faudra le dire au Weasel News. Leur embrayage a un souci. Hein. Castor, tu montes avec moi. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais su conduire, bordel. Bah, allez, dégarpissez. Oh là là. Mais du coup, la plainte pour le camping-car, non? Buck, c'est toi qui vas devant cette fois. Allez, dépêchez-vous. D'accord. Eh hey Britney, Cletus il a dit c'était moi de 20.
M'en bats les couilles, je le broute, Cletus. Ah bah vas-y, descends et monte-le. Non, mais simplement, descends. On a piqué ma... Après, il a piqué ma chaise. Ah, Cletus, Britney, il a pas voulu que j'aille devant. C'est pas Britney, c'est Céline. Oui, bah Céline, elle a pas voulu. Ah, Céline, elle vous emmerde, hein. Viens, on le tape quand on arrive. Ouais. Céline, ça vas-y, va on peut y aller, Jefferson, Céline, il est parti faire une petite sieste, il revient. Oui, attendez, on attend Jefferson. Ouais, et par contre, Bobby. Oui. Eh ben non, rien. J'ai fait une blague à Popo. Oh là! Il y a un problème, chaussée au moine là. Chaussée au moine. Britney, il est parti, tu peux prendre la voiture. Peut-être que. Complètement débile avec cette pièce. Oui, merde. Céline, reprends la voiture. Allô. Voilà, reprends comme ça, moi je vais devant. Tabac, il va devant, ouais, oui. Va la ferme. Regarde, il y a par contre Patriot. Vas-y. Ouais, faut démarrer par contre. Par contre, on démarre, Ah, il va devant. Frérot, il va devant. C'est bon, vas-y. Oh là là, j'ai mal à la tête. Voilà. Bon, je vous avais dit hein, que ça allait changer. Hein. Bon, vous kiffez pour le moment ce début de saison Alors, c'est pas le PC en fait, c'est parce que le serveur il est complet. Genre, on est 300 sur 300 sur le serveur et le serveur il commence à galérer. Là, par contre, le véhicule il avance plus. S'il me pourchasse, je suis mort. Va falloir sortir de la route. C'est bon, vous kiffez ? Par contre, je sais pas où elle est la ferme. Hein. Ah, je crois qu'elle est là-bas. Brine est insupportable. Oh non. Oh non. Oh non. Hello. Popo, je suis tombé en panne. Ouais. T'étais où? Mais je suis à côté de la ferme. Ah hein. Oui, mais aussi on voit ta position. J'envoie la position. Pourquoi tu rigoles, Popo? Vas-y. Je te montrerai, je t'enverrai une photo. Ok. La ferme, je crois qu'elle est vraiment en face. Je crois qu'il y a la police.
Eh, pourquoi tu l'as récupéré? Ils vont pas te donner de team, tu sais. Il est où? Oh là là, mais c'est quoi ce coupe qu'il a lui? Ouais, il a mis la tête dehors, il y avait un peu trop de vent là. Oh putain, ça fait peur. Ouais, bah il s'est pris un canard. Il est où, Pompi? Il est là-bas, il arrive là, regarde. Mais ils vont pas te donner. Attention, sauf qu'il peut. Comment t'es tombé en peine en fait? Bah la voiture, au bout d'un moment, elle roulait plus. Elle a l'air de fumer un peu, ouais. Et je me suis caché parce que j'ai entendu la police, j'ai eu peur. Oui? Ouais, Jeff! Je me demande si. Parce que. Bah, pas pris en couille. J'ai l'impression que je crois en plus, il essaie de te suivre. Ah ouais, mais je suis un pilote, ils ont rien compris. Oui. À tout, on arrive. Ouah, Popo, il y a la GoPro dans la voiture. Effectivement, ouais. Mais Popo, je peux la garder la voiture, je peux la garder. Non. On appelle le Weasel News, on fait une demande de rançon. Non, regarde, je sais, on appelle le Weasel News, on explique ce qui s'est passé. Et on leur parle du truc là que j'ai vu des ovnis. Oui. Attends, Brutney, sors de la voiture quand même. Oui, bonsoir monsieur, je vous appelle parce que bah, en fait j'ai trouvé votre voiture là. Ah, il s'est perdu dans un champ là. Oh Pompi, ça va Pompi? Bah il y a une voiture floquée Vision News en plein milieu de mon champ. Au niveau de ma ferme, écoutez, je vous envoie. Vous voyez les fermes de la Santa Blanca? Bah venez là, c'est chez moi. Pompi, je te l'ai ramené! Ouais, c'était bien joué ça. Mais ouais, mais Pompi, je te l'ai ramené! Il y a moitié ça va, Céline! Bon, ça va, putain, mais. Comme joué. Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Pompi, je te l'ai ramené! Ta gueule, bordel! Ah ouais! L'arrière et tout, connard! Saute, le vieux, saute! T'as niqué ta caisse ou quoi? Je vais sauter ta mère, ouais! Ouais, très bien, c'est bon! Pompi, je te l'ai ramené ta voiture, elle était toute seule là-bas? Tu aurais voulu que je la aide dans le champ? Non, j'aurais voulu que tu me défonces pas la moitié de la barrière! Bah oui, mais la barrière, ça se répare, Pompi! Ouais, comme ton nez! Qu'est-ce qu'il fait lui avec son oiseau là? Il casse les couilles, ils vont me montrer, je suis un pilote moi. Hop, putain, pourquoi ça marche plus? Merde. Mais espèce de fils de pute! Je sais pas si
pas bien. Il m'a fait cramer la moitié de la ferme. Ah ouais, y'a tout qui prend feu là, bordel, appelle les pompiers. Merde. Y'a Tarzan qui prend encore feu. C'est d'ici les 8 secondes. Mais je sais pas, j'en ai plus le cul de ton gamin. Mais faut l'éteindre, il crame encore là. Et puis c'est lui dessus, puis c'est lui dessus. Puis c'est lui dessus. Éteindre. J'avais pas envie de donner un coup de main, même le con. Fais pipi, Clétus, fais pipi. Ah putain, je suis pile au niveau de la bouche là, parfait. L'autre il fait du yoga, imbécile. Allez, restez braise, les gars. Au niveau de la petite moustache, là, il reste braise. Allez, on pisse sur ses loges. Ça s'est pas bougé. Par contre, comment ça au Wizard News? Explique. Salut. On dit qu'il y a un bronzé qui est arrivé, qui a porté dedans. C'est un tacos. Ouais, c'est un tacos à Mayans. Hop là, allez, dans la bouche. Hop là. Oh putain, ça glisse. Ah oui, ça glisse, attention. Oh merde. Ah putain. Bordel. Putain, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites, bordel? Putain, que les tuyaux, il est sale. Oh, ça va mieux, hein. Oh non, tu as chien. Oh là là, putain, j'en peux plus. Me donne ça. Je bois de la bière comme ça, je peux repisser sur Céline. Moi, ah, je vais lui découper de ce qui reste des sorties et des. Arrache ça. Merci, j'avais oublié d'appeler les urgences. Ah oh, putain. Je suis curieux de voir la scène du point de vue de Jérémy où ils ont juste dû voir exploser en arrière-plan. Ah putain, mais je crois qu'il y a les Weasel News là-bas. La voiture rouge. Quelle est Weasel News? Putain, c'est une Ferrari! C'est les Weasel News, je crois! Non, ça va être délire. Ça va être délire. Je crois qu'il met les rodifs, ouais. Ouais, il met les rodifs. Oh putain. Et merci Guinguess pour le sub, merci beaucoup. Non mais c'est la flic. C'est une flic. Elle est à l'enterrement. Ah non, c'est peut-être la Weasel News en fait. Ha ha ha!
elle marchera beaucoup moins bien. Ça me fume, putain, c'est n'importe quoi. What? Qui c'est qui lui a piqué sa Ferrari? Je sais pas qu'on en a rien à foutre de ta gueule, hein, Britney, mais il y a une jolie fille, donc à tout à l'heure. Ah bah elle marche la voiture. Tu vas te réveiller un jour, putain, c'est pas possible ça. Tiens, voilà, tu mérites au moins ça. Putain, le vieux qui a encore voulu faire PMI. Ah mais discutez auprès de moi, je vous entends au moins. Il est paisible hein, il dort. Bon en tout cas voilà. J'espère que vous appréciez ce premier épisode de la famille Grey. C'est là où je marche beaucoup. Ah bah là. Salut Ellie. Bon les EMS là. C'est vraiment la merde. Je sais au moins il a bien foutu sa merde l'autre mouton de mes couilles. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça va être ça à chaque live. Hein. Ça va être ça à chaque live. Hein. Que ça va être unité X, donc je vais être transporté à l'hôpital. Et ils ont brûlé. Non, mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec la Ferrari. Mais je pense que je vais être transporté. Je vais être transporté à. Hé hey, Céline, tu m'entends? T'es toujours là? Non, parce que là-bas, on est en train de se prendre la tête avec le gouverneur. Oh. Ah bah voilà, tu vois, à te faire péter la gueule. Bah tu loupes des choses. Chiante. Il va me voir disparaître en direct. Ah putain, c'est la merde. Bah oui. Ils nous accusent d'avoir volé leur caisse. T'as Britney là, elle peut rien voir du coup. Ah même. Tu crois que je peux la rapprocher un peu? Attends, les EMS là. Ah mais ça y est, ils arrivent. C'est les EMS. Ah oui, ils sont là-bas. Et coucou.
C'est bon, Britney. Eh ouais, bonjour, c'est monsieur. Bon, Britney. Tu vas être sauvé, Britney. Mais il a glissé sur sa piste. Et pas que la sienne. Oh, il est. Je lui avais dit de pas pisser n'importe où là. Ça sent le pipi, c'est normal. Ah oui. Ouais, c'est parce que on a dû éteindre un feu. Il s'est bouffé une pomme quand il pissait contre l'arbre. Il sent la pisse, c'est pissé dessus, c'est dégueulasse. Ouais, oui, bah, on il a dû l'éteindre. Une pomme. Et je vous avoue qu'on a pissé aussi parce qu'on a dû l'éteindre, il était encore en flamme. Qui lui? Ouais, ouais, la lui. Pomme. C'est la combustion instantanée, vous connaissez? Comme les phénix. La... Trop tiens trop de pété. Du coup, à la place. C'est mis à 12. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le sauver, c'est pas grave. Hein. Et coupez-lui son bout de zizi. On s'en remettra. Mais il a pas de zizi. Mettez-vous à la place. Bah, il est très petit. Alors. Gens... Bah, il dit que si, parce que. En tout cas, faire plaisir. Mais... Ouais. C'est pour ça qu'il faut du coup qu'il reste. Il a un micro-pénis, quoi. Quand ouais, il fait ses vols, moi, j'ai jamais remarqué. Bon, on va le sauver, il a presque rien. Ah, non, mais merde, vous avez réussi à le sauver. On a vite réagi, hein. On a vite baissé nos braguettes et voilà. Mais regardez, il est en train de lui couper son zizi, ça y est. Ouais. Mais il va aimer ça. Pour ce qui reste, il pourrait utiliser une petite pince épilée, un petit scalpel. Oh, c'est clair. Qu'est-ce qui... Et alors Céline, t'as pris feu? Pourquoi je suis en érection? Oh, ouais, c'est normal. Oh, oh putain. Ouais, pour ce qui reste... Mais merci, merci monsieur le, bah, le merci docteur. Beaucoup, Bon, merci beaucoup, hein, mais attendez, je vous prends des châteaux, vous allez voir, ça va aller mieux. Attends, voilà. Putain, je m'écarte. Oh putain. Bah merci beaucoup, hein. Ouais, bah vous avez rien en fait, vous êtes juste tombé dans votre piste. Bah, je sais pas, j'ai trou noir, je suis en train de faire pipi et trou noir. Ah ouais, d'accord. Bah merci beaucoup en tout cas, hein. Bah de rien, en fait, attention. Bah ouais. Bon courage à vous, merci. Et si vous avez des troubles... Merci. Des troubles ou quoi que ce soit. Des troubles du pipi, hein. Vous inquiétez pas, il a des, souvent appellera. Des troubles du pipi. Bon, c'est pas je t'explique, Birby, pendant que t'étais dans le coma, là. Ouais. Tu vois, y a des mecs qui sont tombés en panne, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Avec une jolie voiture, et c'était le Weasel, non. En fait. Et non, c'est pas ça. Ils cherchaient la voiture. Ils sont venus chercher la voiture. Ah oui, ils sont venus chercher la voiture. Bah ouais, mais la voiture, et on l'a trouvée, donc pourquoi... Celle qu'il a jetée dans le truc. Mais du coup, ils ont commencé à s'énerver, à nous menacer, tout ça. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Bon, on leur ramène la voiture, ils sont pas contents. Bon, il y a Takos qui a dit qu'ils nous avaient vu, genre, la prendre ou je sais pas quoi. En plus, on est chez nous, quoi, merde. Il a pété nos barrières, ce con. Bon, je vais les brouter. Les bouseux, les bouseux. Je crois que j'ai un problème avec ta voiture. Ah le monsieur il s'est fait rouler dessus. Ça te fait rire? Ah bah oui c'est rigolo. Ça fait comme sur internet quand j'en ai... Retourne chez toi. Ah bah je suis chez moi là. Voilà non, Ferrari. T'es à l'entrée là. Wouah. Ah monsieur ça va? Pas trop. Ça va monsieur? Laissez tomber. Venez, je vais vous soigner. Ah, c'est bon, il succombe, je vais succomber, monsieur, c'est pas grave. Mais non, mais je vais vous soigner. Ah, il m'a très bien soigné, moi tout à l'heure j'étais inconscient, il a fait un massage cardiaque du zizi, ça va beaucoup mieux. Ah, du zizi? Hein? Ouais. Ouais. Bah là, c'est un petit peu la jambe là. Vous pouvez retirer votre pantalon, que je regarde. Ouais. Venez, on va plus par là parce qu'il y a trop de monde là, il regarde. Oh, il est timide le monsieur, moi je vais regarder sans pantalon. Bon, un peu bizarre, monsieur. C'est quoi cette couleur de lopette là? Encore une voiture de Rital de Médoc. Ça respecte pas l'Amérique, ça. Ça sent un peu trop le sud à mon goût là. Voiture carré, bordel. Ouais, bah c'est. Ouais, je me. Attends, hein. De toute façon, hein, c'est. Ah, c'est peut-être les shérifs. Ah, voilà, on va pouvoir s'expliquer. Enfin. Regarde. Ah oui, on va pouvoir porter plainte là. Enfin. T'as fait pipi sur la voiture rouge, que tu sais? Oui. Je... Non, je... Bien, moi aussi. Voiture allemande. Ça, c'est costaud, ça. Oui. Information, on s'écarte du véhicule, s'il vous plaît, tout de suite. Je refais le... Je suis en train de refaire le plein, c'est tout, je refais le plein. Oui, oui, allez, vous refais le plein, vous écartez, s'il vous plaît. Pardon, putain. Et où, le Weasel News, il a été récupéré? Pardon, s'il vous plaît. Il est brûlé, qui c'est qui l'a brûlé? Les gars, on bouge de les EMS. Qui est venu
Et je suis pas sûr que l'EMS il ait son permis pour pas. Hein. Clétus, viens derrière, ça fait mal aux yeux. Il arrive. Ah, oh, il y a trop de lumière, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière. Les gars, allez, allez à la grange, allez à la grange. À 291, on est en 1038 au niveau de la ferme. Je fais une crise d'épilepsie là. Poupa. Qu'est-ce qui me rend le bruit encore, c'est pas possible. C'est la lumière. Oh putain, y'a Morglux. Y'a trop de lumière, je fais une crise d'épilepsie. Poupi. Je vais te débloquer. Oh. Voilà. Oh bah merci Samy. Oh mais y'a trop de lumière. Attends. Explosé avec le bidon là. Ce serait possible d'éteindre les gyrophares parce que en fait je suis sensible et ça. Eh ben tu vas te sensibiliser dans la grange, tu casses pas les couilles. Bah oui, on est en train de parler. On est en train de parler. On est en train de parler, Britney, tais-toi. Oui, j'y réponds. Donc vas-y, vous, monsieur, vous étiez pas là l'enterrement, vous deux. Si, ouais. Tu fumes un peu, mais là, c'est important ce que tu fais. C'était un bon ami. En fait, c'est mon dune. C'est mon dune. C'est la lumière, ça me fait. Mais toute la famille. On était tous là. Des crises d'épilepsie. Ferme les yeux. Ferme juste les yeux. Les gars, si vous voulez, fermez votre gueule là. Allez plus près de la grange. Et fermez votre gueule ou je vous tape là. Barrez-vous. Bon, vas-y pour parler. Dépêche-toi là. Oh là là. Eh, écoute-le là. D'une béguille, on avait la caravane qui est là-bas, on avait une petite moto. Et après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est allé au poste de police avec tous nos véhicules. Vous pouvez demander à vos agents. Hein. Du coup, on est tous venus, enfin, vos agents, à vos collègues, on est tous venus avec nos véhicules. On a essayé de porter plainte. Ils nous ont dit d'aller voir le BCSO parce qu'ils n'étaient pas capables eux, de prendre notre plainte. Parce que voilà, on était des mecs du Nord, tout ça. Porter plainte pourquoi, du coup? Alors, parce qu'en fait, le concessionnaire nous a vendu un véhicule tout-terrain qui n'est pas tout-terrain. Donc voilà. Du coup, on voulait porter plainte parce qu'on s'était fait arnaquer de l'argent. Et du coup, on est tous rentrés ici, là. Et quand je suis rentré au fond, il y avait les véhicules explosés sur ma citerne, là. Et avec l'autre connard de fils, là, bah, lui qui est derrière, là, il était éclaté au sol. Et on a vu ça pourrait pas être lui, par hasard. Ah non, non, il était vraiment au sol comme une quiche à au moins 15 mètres du véhicule. Donc, sauf si vraiment c'est Superman, je suis pas convaincu que ce soit lui. Hein. Et les deux Roumains, ils étaient derrière là-bas, là. Ils nous ont insultés, ils sont barrés avec une autre voiture. Ok, parce que moi, je vous explique la version que j'ai. Moi, ce que j'ai dit. C'est qu'imaginez, enfin c'est que l'enterrement, j'ai des personnes qui sont embrouillées avec des personnes de votre famille qui sont embrouillées avec les ennemis. Je n'ai pas les noms, on m'a juste dit qu'apparemment ils parlaient, ils faisaient n'importe quoi. Ah mais c'est pour ça qu'on les a tous fait sortir. En fait on leur a dit, parce que moi du coup je leur ai dit de fermer leur gueule, puis vu qu'ils voulaient pas fermer leur gueule, je leur ai dit... Et au même moment du coup le véhicule du Weasel a disparu. Et on a le même gilet. Alors ça, ok, mais comme je vous dis, vous pouvez vous demander la déclaration à la police, c'est tout arrivé. Mais putain ta gueule Britney, je te jure, je vais ton cul à sec. Mais pourquoi je parlais avec mon frère de gilet, j'ai pas... Je m'en fous, tu me laisses parler là. Ok, pardon. Laisse parler les grands. Du coup, vous pouvez même demander à vos collègues là du truc du LSPD en bas là. On est tous arrivés avec nos véhicules et pas de truc de Visual News. Hein. On est tous arrivés, on a fait la déclaration et personne. Hein. Le Visual News. Ils ont même pas payé la prime. Mais oui, parce que le Vision News était en plein milieu, et pour vous dire, il était en plein milieu de la route, et pour vous dire, c'est même mon fils là, enfin pas mon fils, mais le truc, le rejeton avec les dreadlocks là, il a en face, c'est en moi. Face du... il était juste en face du PDP, il l'a ramené, il a dit aux polices, regardez, je vous ramène le véhicule, donc ça peut pas être nous, parce qu'on était déjà au PDP. Donc il a ramené le véhicule du Vision News. Il était juste en face du... Il était en face de la LSPD. Et pourquoi le véhicule du Vision News, il est là maintenant? Mais c'est ce que je vous dis, on s'est embrouillé avec des Roumains. Mais vous suivez rien, moi je peux pas faire grand chose là. Il y a des putains de Roumains. En gros, je résume. Ouais. On a été à l'enterrement, les gamins foutaient la merde. Mais on c'est est parti par respect. Par respect. On est allé. Et nous sommes condoléances au comité. Ta gueule. Pompi, t'énerve pas. On a été au commissariat du Sud pour déposer la plainte parce que comme au Nord vous étiez occupé. Et en fait, là, il y avait le truc du Weasel News qui était abandonné dans la rue d'à côté. Avec des Roumains qui tournaient autour. Et après, on s'est embrouillé avec eux parce que, voilà, merde, les Roumains, arrêtez de voler les câbles. Et après, c'est parti en couille. Ils nous ont suivis, c'est parti en couille à la ferme. Ok. Et ils ont massacré du coup mon fils. J'ai juste une autre question si possible aussi. Oui, je vous dis, ils ont mis le feu dans le champ en plus.
Kag et Britney, je te jure, je vais te taper. Je te jure, je vais te taper, Britney. Bah, c'est vrai, ils ont propos, ils ont mis le feu au champ. Je vais croire la version par rapport au Gouma, etc. C'est de la médicina, vous inquiétez pas. Pourquoi pisser sur le véhicule et le frapper, du coup, avant que le BCS arrive. Ah non, mais alors ça, c'est parce qu'en fait, en gros, vous avez, enfin, si vous préférez, nous, dans notre famille, vous étiez un peu agressif, du coup, ils sont sortis agressifs, il fallait qu'ils fassent un truc pour expulser leur colère, quoi. Ouais, d'accord. Quand on nous cherche, on broute les gens. On retrouve notre véhicule un peu bouillé. Mais oui, moi, je vous ai appelé, j'étais de bonne foi. Je vous ai appelé, j'ai dit allô. Mais oui, c'est pour ça, mais quand... Oui, mais quand vous êtes arrivé, j'ai dit on est des voleurs. Moi, du coup, j'ai dit je vous ai appelé. Je vous ai appelé, je vous ai envoyé position. Genre, si... pourquoi j'aurais fait ça si j'aurais pris le véhicule? Je n'ai rien à foutre, moi. C'est que c'est sur ma propriété, sur mon champ, là-bas. Et en plus, vous avez cassé nos barrières. Et bah, ils étaient cassés. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient déjà cassés, les barrières. Ah non, ça, c'est pas vrai, je vous ai vu faire. Les limites, les barrières, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai de toute façon, le véhicule, moi, c'est les deux autres imbéciles qui l'ont éclaté contre le truc. Je vous ai sacrifié des pneus de mes tracteurs et tout pour vous retaper. Je vois pas ce que j'aurais. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça si jamais on en avait rien à foutre du véhicule. Papy, c'est parce que tu voulais faire la déclaration. On va faire les dégâts sur le véhicule, on va prendre 2-3 photos et puis après on va vous déranger plus. Ouais, allez-y, y'a pas de problème, il est juste là. Allez. Putain, Buck, qu'est-ce que tu branles? Buck, t'es bourré! Mais qu'est-ce qui lui arrive à Buck là? Buck, non, mais enjambez-le, c'est pas grave. C'est des vraies lunettes que vous avez? Allez, viens, prends un. Ah, parce qu'une fois, j'ai acheté un paquet surprise et il y avait les mêmes lunettes avec le même nez, la même moustache. Ah non? Ouais. Non, c'est des vrais. C'est un vrai nez, des vraies lunettes et une vraie moustache. Ah, trop bien, je savais pas que ça existait en vrai. Britney. Oui? Et il est joli, monsieur, votre costume là, c'est américain. Il ressemble pas ou bien qu'il soit Iron Man, monsieur? Ah, si, si, on dirait Iron Man. Oui, c'est ça. Non, quand même pas. Vous savez voler? Je peux prendre une photo avec vous. Il faut qu'on prenne une photo avec les notions. Et vous êtes déguisé en capitaine de bateau? Non, c'est ma tenue cérémonie. C'est ma tenue cérémonie quand j'étais militaire. Et là, vous faites une cérémonie sur notre propriété? Non, j'ai pas eu le droit de me changer, j'étais à l'enterrement. Encore un enterrement, c'est fou, il y a des enterrements tous les jours maintenant. C'est une grave bête, ah, cet enterrement là, ouais, bon, par contre, bon, il n'y a pas à manger gratuit. Mais non, c'est un enterrement, monsieur, c'est pas un mariage. Ah, c'est pas l'enterrement avant qu'on se marie? Bah non. Non. C'est autre chose, c'est différent. Monsieur de Wiesel, vous pouvez venir? J'avais pas compris ça, moi. C'est pour ça que tout le monde pleurait, en fait. C'est une grave bête. Il nous a quitté plus tôt. De quoi? Oh, la dame, bête. Elle est jolie, la dame. Pour l'enterrement, dans lequel on était dans la soirée. Ferme ta gueule. Bah quoi, j'ai dit qu'elle est jolie la dame, c'est un compliment. Oui, après. Le monsieur qui a des lunettes. Bah c'est des vraies lunettes avec un vrai nez avec des vraies moustaches. Ouais, toi t'es un vrai casse-couille, papa. On en fait pas toute l'histoire. Et le monsieur il est en costume de cérémonie. Ouais, son costume c'est un costume américain. Ouais, c'est américain. Et t'as vu, y a un Jackson 5 avec eux. C'est le Captain Jackson. Ah, je suis trop fan. Alors bah, je vais demander une photo, moi je suis trop fan. Et il y avait un enterrement, ils ont peut-être fait une cérémonie pour lui rendre hommage. Ouais, peut-être ils ont chanté ABC. Il y avait les Jackson 5 et on est parti. 1, 2, 3. Et à cause de qui on est parti? Attends, Tito, reviens, Tito. C'est pas Tito que tu racontes. Moi aussi, c'est Tito, c'est sûr que c'est Tito. Ah ouais, on s'est rendu, je suis sûr que c'est Randy. Non, moi je pense que c'est Tito. Monsieur, on est d'accord que votre collègue. Monsieur du Weasel News. Il y aurait moyen de se revoir parce qu'on a des infos par rapport à des trucs pour un bel article. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va, je vous contacte demain, ça va. Allez, parfait. Et on a retrouvé votre voiture, au fait. Hein. Je sais pas si on vous l'a dit. Hein. Ah bon? On a retrouvé la voiture. Dernière nouvelle. Ils sont là, tu crois? Mais Britney, mais tu... Au revoir. Bah, papy, t'as dit qu'on devait les appeler pour négocier avec eux. Moi, j'ai rien compris. Hein. Bon, mais tu tapes ton gamin ou je le tape, moi? Ouais, un peu rare. Mec, ici! Moi! Putain, mais. Mais Clétus, qu'est-ce que tu. Possible. Je te broutais, Clétus! Viens un peu près de moi, s'il te plaît! Allez, mec, qu'est-ce que tu fais? Toi, Britney! Attends! Ouais! Bah, elle casse les couilles avec tous ces. Mais vous me cassez les couilles! Mais putain, calmez-vous les mecs, bordel! Tiens!
pousse-toi, Tarzan. On frappe pas les filles, fiston. Fiston, on frappe pas les filles. Je bute kill. Je plante lequel? Bah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Soulève les filles, ça c'est bien. Vas-y, Tarzan. Non, mais me monte pas dans l'arbre. Bon, Britney, on va discuter deux secondes. Moi je comprends plus rien pour puis hein, au bout d'un moment pourquoi vous avez les gâteaux, les couteaux là pour... Bon, ouais, c'est une... Parce qu'on va te faire se réconcilier. Barre-toi Samy, barre-toi. Britney, reviens là. Eh Morgux, il serait pas d'accord. Oh, rien. Paul dans ta gueule. Britney, reviens là. Non, Pompa, non, Pompa, je veux pas, je si, veux pas. Si tu reviens, Britney. Si je reviens, quoi? Si je reviens, quoi? Britney, reviens. Si je reviens. Britney, oh reviens. Britney, oh. Voilà, Britney. Dans ta gueule. Hey yo, Britney, tu l'as pris celle-là. Pardon. Et toi, là? C'est Britney. Moi, je comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui m'emmerde le roux là? Oh Dieu! Putain, mais. Voilà! Une seule ça suffit, voilà, hein! Voilà! Oh. Bon, et c'est bon là! Cletus, hey, oh, bon, vous vous calmez là! C'est oh, bon, j'ai plus marre, vous montez moi! C'est bon, hein, c'est bon, stop! J'ai compris! C'est bon là, et on se calme! Et loup le vieux con là! Eh, Britney, ça va! Ah, ça va, ça va! Ah oui, ça va! Faut chiller, les amis! Faut chiller! Papy, Pompi, il a dû faire un arrêt cardiaque là! Il a pas supporté la course à pied! Bah, courir comme ça, c'est sûr! Mais le vieux là! Pompi, Pompi, il est où, Pompi? A tous les coups, Pompi se branle dans son bureau! Eh, hey, je suis sûr, il faut voir! Poppy! Papy! Poppy! Et où, Papy? Moi, bah, je sais pas, Poppy, où il est. Hein. Ah, là, moi, j'arrive à tenir sans les mains. Oh putain! Oh putain! C'est pas un genou qu'on t'a dit, Britney. Je peux pas. Contrôle-toi, bon sang. Oh là là, regardez ce fessier qu'il a, Morgus, comment elle est bonne. Oh. Il fume. Moi, ouais, je crois qu'il fume. Attends, attends, bah ça veut dire qu'il faut qu'on fume aussi. Hein. S'il faut fumer, il faut chiller. Ta gueule. Fumez les gars, fumez. Je crois que c'est un signe. Je sais pas ce qui se passe. Calmez-vous, tout va bien. C'est mon Luc, il vient en paix. Mon Luc, c'est pas moi, Amy, moi je suis personne. Il vient en paix. Merde, Morglu, il est jamais. Il veut communiquer avec Britney. Apparemment, il veut communiquer avec Britney. Britney. Oh oh. Va vers Morglu, oui, pour il veut te parler. C'est... Oh, il veut te parler, Morglu. Approche-toi de Morglu. Ok. T'énerves Morglux, essaye de mieux le comprendre. Concentre-toi. Non, pas de masturbation. Non. J'ai pas compris, moi. Écoute Morglux. Non, regarde, putain, tu m'as vexé. Mais tu as vexé Morglux. Ça y est, il s'est enfui. Mais non, putain, Britney. Morglux. Morglux. Eh, Morglux. Viens là, toi. Et tu peux te taper Morglux. Y'a la police. Y'a la police. Ah oui, c'est normal. C'est un extraterrestre. Merde, Morglux. Mais non, mais t'as fait fuir Morglux. Bah, Popo, il m'a dit de me branler, c'est pas moi, hein. Mais t'as fait fuir Morglux. Mais Popo, il a pris possession de mon de ma tête. Toi. Il a pris possession de ma tête toi. Et c'est... Toi. Mais c'est pas moi qui ai contrôlé. Honte à toi. Mais c'est honte pas à moi. Beaucoup ce soir, mais... Céline. On devrait te couper le sexe. Mais honte à toi, t'as fait fuir mon luxe. Mais voilà, c'est pas moi qui ai contrôlé, Popo. Depuis les années. J'en fais quoi? Lâche-moi.
Eh, vous êtes tous des merdes parce que Morgus m'a choisi moi et pas vous et vous êtes dégoûté. Non mais t'as tout gâché. Non, non, parce que c'est pas moi qui choisis. Morgus est rentré dans ma tête. Morgus est rentré dans non, ma tête, on vous dit. Te castrer au nom de Morgus. Mais vos gueules, bande de cons sanguins, vous savez même pas ce qui s'est passé. Ah, coupe lui, vas-y. Et c'est pas moi. Vas-y, allez, pour de vrai, ce coup-ci, mais, pour de vrai. Vas-y, coupez-lui les bourses. Attrapez-le. Oh. Allez, vas-y. Il faut lui couper les boules. Ah, casse les boules. Allez, Tarzan, coupe les boules. Oh putain, mais... Merde, il s'enfuit. Je vais vous brouter les gars. Si je trouve une voiture, je vous broute hein. Comment on rentre dans cette merde là? Eh ben alors les PD hein. Ah ça perd ses couilles hein. Vous allez voir, je vais vous brouter, je vais chercher une voiture, je vais tous vous brouter un par un. Bon, mec qui se fait niquer ou quoi? Ces bâtards, ils vont prendre une voiture pour venir me chercher, j'en suis sûr. Je me cache. Casse les couilles, cette famille de merde. Moi, je vais me barrer un jour. Oh. Ils me méritent pas. Oh. Cette voiture. Je vais les brouter. Et ben voilà. Yeah. Je vais vous brouter. Ils ont mis ton temps, j'ai dit un carreau. Pourquoi j'ai arrêté le Bigfoot. M'arrête mais... C'est pas le Bigfoot, c'est con, c'est ton temps, j'ai dit. Quoi? Quel cousin de papier loup, tiens, tu sais. Mais non, c'est le Bigfoot. Oh. Mais t'as vraiment fait que des conneries, toi, t'en as pas marre? Catastrophe de la famille. On va taper, il est oublié. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Oh merde, y'a Morgus qui est mort aussi. Oublie. Y'a un bronzé qui est venu se garer là tout à l'heure là. Morgus. Continue comme ça. Continue comme ça, il prend la force. Mais et tonton, on s'en fout de tonton? C'est Morgus d'abord. Et ta gueule. C'est Morgus le dieu. Oh putain, canard! Il s'en sort.
Oh, il a une petite bite, Morgus, hein. Donnez-lui de la force. Oh, je donne que dalle. Wow, il... Bon, qu'est-ce qu'il... C'est bon, il commence à prendre de la force. Fais l'effort, donne-lui la force. Allez. Ça marche. Continuez. Vas-y, Clint, tu donnes pas de la force, là. Et Clint, il s'en bat les couilles. Vas-y, Clint, il ment plus que toi, là. Tu vois bien, là. Putain. Allez Clint, fais un effort. Allez Clint, c'est bien parce que c'est vous. Putain, tout ça parce que l'autre on l'a. Et voilà, tu vois. Ouais. Allez Clint, allez. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est bien. Ah non, pas encore, hein. J'en ai marre qu'il me parle à moi. Zub zub, mais zub zub quoi Zub 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 zub. Oui, mais la dernière fois quand j'ai fait zop zop, t'as pas apprécié. Il a dit faut couper ton zop. Bah non, moi j'ai compris que zop zop il veut. Zop zop. Il est con lui. Barre-toi, sac à merde. Il t'a mis un coup d'œil. Bah oui, je l'ai tapé dans l'œil ce con. Allez, Britney, fais pour ton temps. Bah ouais, mais pourquoi allez, tonton c'est bien, tonton c'est bien, vas-y. Bon, tonton, je suis désolé de t'avoir écrasé, mais moi j'ai cru que c'était le Bigfoot, hein. Ils ont dit ça sur RMC Découverte que c'était dans la région. Mais non, tonton c'est bien, il a des poils, il a des soucis de pilosité. Bah c'est plus que de la pilosité, là. Moi c'est surtout son gros téton et qui m'a fait peur. Et tu ressembles à un membre de la famille, toi aussi tu reconnais pas les gens qui te ressemblent. Bah il a la même couleur que Clétus, quoi. Oh putain, il s'est capété ma bagnole, là. Et toi, tu disais que j'étais pas de la famille, tu vois, et même couleur que moi. Hein. Bon, on n'est pas sûr que c'est de la famille non plus. Hein. Oh, si, si. Allez, Samy, là, fais un effort, bordel. Tu vois bien que ça a marché pour. Ah, mais apparemment, ça marche pas. Mais si, mais c'est, ça dure plus longtemps parce que lui, c'est pas Morglux. Ah, bah, si, c'est pas Morglux, c'est ça qui marche. Synchronisé. Et Popa et Papy, ils sont où là? Ils sont jamais là besoin. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça a marché pour toi, ça a marché pour lui. Ah, si, j'avais marqué, essayez tous comme ça. Ok, bon bah ok, peut-être qu'il est déshydraté. Faut faire pipi sur lui. C'est bien fiston, tu vises bien. Yeah, yeah. Papa, allez tonton aussi. Julien. C'est ça ouais. Tonton Julien. Bois, ouvre la bouche. Continue comme ça. Ah putain, j'ai plus rien. Oh, y a... Allez, y a arrêtez, y'a papy qui arrive. Avale tout, ah, tonton, avale tout. Clétus il tient sa tub avec ses deux doigts quand même. C'est petit. On fait avec ce qu'on a. Et Britney, tu sais pas. Oh moi il y a Zizi. Il con le vieux ou quoi? Il y a tonton Julien, papy, c'est ton cousin, il est venu dans le monde. Mais c'est Britney. C'est Britney, elle fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est Britney. Bah au début. Je te jure si ton père était là, je te jure. Bah oui mais... Bon Poppy, Poppy, con Poppy. Tu m'énerves. Bah écoute moi je suis arrivé, j'ai vu le Bigfoot, forcément que... En plus elle a fait ça avec une voiture étrangère. En plus. Comment c'est Poppy? Attendez, je vais le mettre. Bon ben. Je m'en occupe. Allez, barrez-vous, je m'en occupe. Tu vas faire quoi, Poppy? Je vais planter ta connerie encore. Bah. Appelle les EMS, va pas l'enterrer tout de suite, Poppy. Tu dis à Merle qui s'en occupe. Ok. Tu dis à Merle qui s'occupe de vous. Et toi aussi.
bouge pas, Cletus. Merci. Attends, y'a tout le monde qui est assis sur le camping-car, c'est quoi le bordel? Je sais pas, c'est bizarre. Cletus. Voilà, et tu as Buck. Oui, c'est ça. Et t'aurais pas à boire? Si, je te file ça. J'ai avec toi, Poppy. Poppy, j'ai avec toi. Poppy. Allez, attends, bisous. Bisous, fiston. Bisous. Allez. Voilà, attends, dors bien. Attends, mais... Allez-y, montre-moi. Montre-moi. Montre à papa. Ah, voilà, c'est bien, bisous. Ça. Ah, je vais bien dormir, merci. Bisous. Ah, il a une bonne droite. Ah bah, c'est gifle d'acier camion magazine, hein. Ouais. Bon, allez, moi aussi, je vais y dormir. Il m'a tellement frappé, là, ça m'a impressionné, hein, quand même. Ça t'a donné envie de dormir. Ouais, c'est bien le fils de son papa. Je vais aller dormir moi aussi, je prends ça. Ouais, je peux t'aider si tu veux. Non, moi j'ai pas besoin d'aider. Allez, bonne nuit. Oh, yeah. Allez, bonne nuit, les gars. Bonne nuit, hein. À bientôt. Je vais l'enculer. Bon, il va dormir où, lui? Ouais, il va se mettre derrière la branche dans un pot de paille, je sais pas. Bon, bah, je vais dormir dans ma chambre, hein. Bonne nuit, frérot. Bonne nuit, hein. Hop là. Ah bah voilà, on va passer une bonne nuit là. Bon les amis. Première soirée chez les Grey. Un jour, l'un d'eux va mettre une balle dans la tête de Brine, il va rien comprendre. Bon alors, ça donne quoi cette première soirée chez les Grey? Eh oui, c'est déjà fini, c'est 23h11. Hein. Très intéressant. Intéressant. C'est intéressant. C'était original. Ah, je vous ai dit, on est loin du sérieux. On est loin du sérieux du code 47. Hein. C'est incroyable que des bagarres, j'ai tellement kiffé. Brider le personnage est incroyable. Faut mettre une balle, il s'agirait d'avoir procuré les... Voilà, de procurer les armes et de savoir s'en servir. Britney, de toute façon, vous allez voir, j'ai orchestré le personnage pour que, en fait, toutes les choses les plus improbables, genre faire exploser la voiture du Weasel News, ben déjà la piquer, j'ai failli piquer une voiture de flic et faire aller carrément à l'enterrement avec la voiture de flic, mais je pense que vraiment alors c'est pas un homme trans, hein. C'est pas un homme Britney, l'enterrement j'en peux plus. En vrai, à l'enterrement j'ai failli aller plus loin. En fait, à l'enterrement j'ai vraiment failli, comme il était bourré, vraiment en fait descendre devant tout le monde et parler au mec de cérémonie et tout. Mais je me suis dit, c'est le premier épisode, imaginez, on se fait bannir à cause de ça. Donc voilà, mais en fait Britney, ça va vraiment être le mec qui a pas de limite et qui... Et donc, vous gérez deux business. Mais en fait, Britney, vous allez voir, ça va vraiment être celui qui va... Il va vraiment faire des trucs... voilà, genre, vous avez pas vu, mais quand on prépare, il a sauté d'un hélicoptère parce qu'il était pas attaché. Là, il a fait exploser la voiture. Ça va vraiment être le truc... C'est le con par excellence, quoi. Il est vraiment trop con, quoi. Il est vraiment trop trop con, le pauvre. Donc voilà. Je pense que c'est celui... Jérém qui vient de se réveiller en Bigfoot en... donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très très cool. C'était très très cool. Et bah voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve mardi pour l'épisode 2. Et puis voilà, quand on verra bien comment ça va évoluer. Mais puis même là, aller au commissariat pour porter plainte parce que notre véhicule n'a pas fonctionné lors d'un braquage, c'est sensationnel. Du coup voilà, mais ouais, Britney, vous avez pas fini parce que ça va vraiment être le planning. On l'a vu en début de soirée, mais je peux vous le remontrer.
Je peux vous le remontrer volontiers. Si ça marche. Pourquoi il marche pas? Voilà. Le planning demain, je voulais dire, on découvre. Ouais, on va faire un petit raid chez Jérém. On découvre demain The Outer Wilds. Que je n'ai jamais joué et tout le monde me dit que c'est une pépite sans nom. Donc voilà. Mardi, on continue l'épisode 2 avec les Grés. Mercredi, on continue à Outer Wilds. Jeudi, petite soirée rétro, puisqu'on fera The Order 1886. Si vous ne connaissez pas, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre très sous-coté. Et donc, on le fera ensemble. Et on continuera la famille Grés vendredi. Voilà un petit peu le programme de cette semaine, ça va être très cool je pense. Donc voilà, sur cela, on va raid Molcuis. Tac, Molcuis, lancer le raid. Hop. ça me fume, rien que ça me fume. Rien que ça me fume. Et sur cela, les amis, eh ben, on se dit à demain pour attaquer Outer Wilds. Ce sera une découverte pour moi. Donc voilà. Sur cela, les amis, prenez soin de vous. À demain.